Allô? Ah, allô? Allô? M'entends-tu bien? Allô? Oui, je sais que tu m'entends. Oui. Oui. Est-ce que t'entends? Je suis une piètre comédienne. Non, je suis pas en train de dire ça. J'espère. Juste, il y a mieux, quoi. Bref. Ouais, bref, désolée pour les Bref. 5 minutes de retard. Ouais. Alors là, c'est pas possible. Ouais, enfin, ça va, hein. Au moins, j'ai déjà Parsec d'allumé. Moi, je l'avais allumé avant toi. Il t'attend. Je suis pas sûre. Bah, tout était prêt en fait. Ok. Est-ce que tu vas bien? Écoute, ça va très très bien, ouais. J'étais à un petit concert hier soir. Et voilà quoi. Un concert de rock? Non, de Joe Hisaishi, le compositeur des films de Hayao Miyazaki, Oh, Studio Ghibli. c'est Cali. C'était qualitatif. J'ai passé le concert à pleurer. Voilà. J'avoue que quand c'est des bonnes sonos et que le son passe bien, ça doit être incroyable. Et puis c'est un rêve, genre, Bah oui. c'est un rêve que j'ai depuis un moment, quoi, tu vois. Ah, Donc, c'est beau. non, c'est très très beau. Va me faire pleurer aussi. Arrête, je vais encore chialer Si tu pleures, je pleure. là, putain. Et toi, comment il va? Et bah bien, j'ai reçu tout ce que je devais recevoir en livraison, donc je suis content. Mon imprimante, C'est-à-dire? mon bac de... Ah, nickel! Ouais, une petite imprimante hyper stylée, genre, je l'ai éteinte. Tu sais, quand tu imprimes une feuille, t'as une sorte de petite rampe pour que la feuille, Ouais. elle se cale. Et j'ai pas fait attention, et en fait, je l'entends, et la rampe, elle s'est rangée toute seule. Excellent. Je fais waouh! La technologie. En plus, elle est en wifi, donc je peux la mettre pas sur le bureau, tu vois. Non, c'est cool. Ah, trop bien. Un nouveau bac à linge sale, parce que le mien, bon, petite anecdote, du coup, il était un peu vieillot, il était à ma mère, tu vois. C'était en Ouais. tissu. Et bah, c'est vrai que c'est, il est dans la salle de bain, donc des fois, il y a de l'eau qui tombe et tout, et il était un peu humide en bas, tu vois, juste un peu trempé. Et à un moment donné, je fais mon linge et je dis, bon, je vais faire le blanc, et le blanc, t'es tout au fond. Je Ok. le fais quand il y en a pas mal, tu vois. Je peux faire une machine avec une chemise blanche. Oui. Et là, je retire un t-shirt blanc. Il y avait de la moisissure dessus. Oh putain. Ah ouais, l'humidité quoi. Ouais, je pensais pas. Je pensais que c'était assez prévu pour l'humidité, ce genre de truc. Peut-être que c'était pas prévu pour être collé à la baignoire quoi. Ah, je sais pas. Et du coup, c'est juste le bas. Il y avait juste ce t-shirt là qui était plein de moisissure. Ah, ça m'a écœuré. En plus, Ah ouais, je c'était un de comprends. mes préférés. Du coup, tu l'as brûlé. L'ai jeté. Je Ouais, l'ai jeté et direct, je suis allé sur Amazon et j'ai regardé des trucs vraiment faits pour résister à l'eau, tu vois. mais c'est incroyable, un vêtement qui moisit. Ouais, il y a de la moisissure et tout. C'est Ça, dégueu. c'est C'est que des points incroyable. verts. Ah, Ah! ça m'a écœuré. J'ai dû le prendre là. Tu dois être une des rares personnes sur Terre à avoir réussi à faire ça, hein. Un gros crado, quoi. Mais... non, et qu'est-ce que... Ah, un tome de One Piece. Ah, donc combien? Bah, le 102, dernier qui est sorti en français. Enfin, tu le commandes carrément, quoi. Bah, dès que je vais à Carrefour, c'est toujours dévalisé. Quand je vais dans d'autres trucs, il n'y a pas le tome 102, ça me saoule. Pas le tome que je veux. Du coup, je les Mais commande. va Japanim, Mais quoi. souvent je les commande avec d'autres trucs, ce qui fait que des fois j'en reçois deux d'un coup, ou des fois j'ai. Du coup je paye pas de livraison parce que c'est juste un. Pas trop bien. Ouais, non, je profite au passage. Et une petite vapoteuse, voilà. Ah, pour diminuer le tabac. Oui. Bah, j'en avais une avant, mais je l'ai complètement. Je l'ai fait tomber par terre. Non, j'ai fait tomber par terre une fois, et une autre fois elle s'est allumée dans ma poche et là, ça avait brûlé, j'avais la flemme de. T'as brûlé un pantalon? Non, j'ai brûlé la résistance. Ah, ok. Du coup, voilà. J'ai racheté un truc moins compliqué. Faut peut-être racheter des trucs plus souvent, mais ça revient toujours à moins cher que la clope. Oui, c'est clair. Mais au moins, c'est moins complexe que ce que peut avoir Benjamin et tout. C'est les gros machins énormes avec Ouais, elle batterie. est énorme. Non, moi, c'est juste une petite batterie et. Bah, tout. Allez. Je dirais que toutes les 2 semaines, tu dois changer l'embout. Bon, ça va. Ouais, c'est tout.
Voilà. Et les petites emplettes, quoi. Ça m'a fait plaisir de te recevoir là. Ouais, j'imagine. En fait, quand tu les reçois chez toi, je trouve que ça fait un peu comme si t'avais un cadeau alors que c'est toi qui as tout Ah donné, oui, quoi. c'est ça, c'est l'effet cadeau. Trop content, genre, ah, mon imprimante. J'ai enfin reçu. Ah, j'en avais besoin de cette imprimante. Faut que j'aille Même chez mon père. pour tes projets perso, ça va t'aider aussi Bah oui. d'avoir une imprimante. Mais tout à fait. Non, puis aller chez mon père pour imprimer. Tu veux voir de moins en moins le Tadig. Non, c'est pas. Je le vois ce soir d'ailleurs, donc tu vois, c'est pas Ah, une c'est raison. ça. Ça. Non, moi je vais chez mon père juste pour imprimer. Bah ouais. Je dis même pas Sinon, bonjour. je le vois pas de l'année, sinon c'est vraiment l'imprimante, quoi. Limite, j'ai renommé sur mon téléphone Canon XP 352. Ouais, on se met en vibreur. Moi aussi. Ah, c'est bien ça, tu fais attention, c'est cool. Bah attends. Pas de sonnerie là. Je suis professionnelle, quoi, merde. J'ai chié quoi. Putain, prendre les gens pour n'importe quoi. Aket D'ailleurs, je suis allé voir les doubleurs et tout, bah les acteurs derrière. Squarry. Ouais. Alors, il y en a, ils ont vraiment bien fait les têtes, il y en a, ils sont vraiment connus. Et Ok. d'autres se ressemblent un peu moins, mais par exemple, celle qui joue à Abby, c'est Abby? Ou Ali? Abigail. Abigail. Elle est pas du tout comme ça. Ça a pas l'air du tout d'être son caractère et tout. Ah ouais, sérieux? Elle a l'air d'être beaucoup plus extravertie. Ah merde, c'est dommage. Ouais, c'est drôle. Et elle a doublé quoi? J'ai Ah, vu qu'elle avait doublé. Oh, je sais plus, j'avais vu, je trouvais que c'était marrant qu'elle avait doublé là-dedans, dans un dessin animé. oh, sérieux? Un dessin animé, c'était dans les années 2000 et tout. Mais Ok. voilà, je suis allé voir, je me suis intéressé un peu. Et je me dis bien que le policier, je l'avais vu quelque part. C'est vrai que c'est un mec qui joue que dans les films d'horreur. Et tu l'as vu où? Dans quel autre film? Je peux plus te dire. Juste que je suis allé voir, j'ai vu la filmographie, je fais ah, je me disais bien, je l'avais vu dans tel titre, mais j'ai oublié, ça fait un moment que je suis allé voir. Mmh. Mais voilà, je me suis renseigné. Non, trop drôle, faudrait que je fasse ça aussi. Et l'actrice que je pensais, c'est celle qui a un œil en moins. Enfin, c'est pas ça en fait, je me suis trompé d'acteur. Ah oui, Laura. Ouais, en fait c'était pas elle. Putain, le mec se trompe, quoi. Pour me tromper. La honte. Allez, les deux derniers chapitres. Let's go! Ah oui, Let's c'est vrai go. qu'on est dans la maison des Hackett. Ouais. Façon de pas appeler ça une maison. Un manoir. Ouais. Allez, je baisse mon volet. J'ai une petite ambiance. C'est vrai qu'on n'a pas le même volet. Moi, c'est une corde que je dois faire descendre. Moi, Toi, c'est un bouton. c'est la man... Non, moi, c'est la manivelle. À la casse? Non. Ah, c'est la J'ai touché le manivelle. panneau en arrivant. Ah oui. Ah ouais. Tu Ah oui, et penses c'est qu'on va Brenda Song qui rencontrer joue Madame Rejoigne la grande route? elle, je sais plus Non, son on nom. est sur le terrain des Hackett. La grande route est à Je connais pas. 2 km, Brenda car à Song, elle a joué dans plein de Mais trucs. comment ça se fait que j'en sais plus que toi, surtout? Elle a joué dans. Alors, on doit marcher encore 1 heure jusqu'à la route, et il nous restera au moins 3 ou 4 heures Merde. avant d'arriver au Sur Disney premier. Channel, il y Ça avait sent pas deux bon. filles qui faisaient de la danse. Ouais. C'est quoi Shake it ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est Brenda Song, je crois, Continue. l'actrice. Une Ok. La des roue? filles. Non, bah non. Non, parce que L'autre. l'autre, c'est Zendaya. Ah, c'est Zendaya, donc c'est pas Oh. elle. Mais où je l'ai vue alors? Va falloir que je m'y fasse. T'inquiète pas, j'ai pas trop Mais regardé arrête! chez Kidub, donc J'ai c'est pour trop ça que confiance j'ai. en Crochet. Je te promets, Brenda tu vas Song. choper comme jamais. Je l'ai vue dans plein de trucs. Mais elle est connue? Ah, mais j'ai déjà vu sa Bah oui, tête! elle est connue. Mais à chaque fois, j'ai pas les films. Tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de films, mais j'ai pas. De toute façon, moi, j'ai pas les noms des acteurs. Personne ne me traitera plus jamais pareil, hein? Ça va dépendre des gens, mais qui crèvent. Tu sortirais avec un mec à une main? Je crois pas que ce soit à moi que tu penses là. Ah, enfin, on pourra parler du sujet important. On s'est bien Ryan. rapprochés autour du Oui, par feu, et contre, moi, je me je fais peux des t'assurer un idées sur ce qui truc. se passait un peu plus tôt. Ton Ryan, là. On verra l'année prochaine. L'acteur, c'est celui qui a joué dans Détective Ouais, Pikachu. faudrait d'abord survivre celle-là. Oh bah super.
Génial. Le chapeau. Le palmarès, quoi. De toute façon, on a enfin trouvé ce qui plaît à Ryan. Du coup, elle l'a joué dans La Vie de Croisière de Zach et Cody. Ah. Avec un cache-œil. Les pirates. Peut-être qu'il va tenter un abordage. Vous êtes plus d'amoureux de Ryan, les gars. Pourquoi vous rigolez? C'est la vie est tranquille. Vous avez un pote qui est possiblement mort. Oh merde. Du calme, c'est un détecteur. On est bon. Enfin, je crois. Regarde, du vrai steampunk. Allez, par là. Attends, ça bug. Pourquoi ça frise un peu là? Ça frise là pour toi? Ouais, j'ai genre une image par seconde. Ah. Peut-être moi, Mako, parce que j'ai vu que ça avait un peu lagué aussi de mon côté. Ça passe quoi là? Un écran noir. L'écran noir aussi. Ok. Très long écran noir. Ouais, oula. Allez, Abby. Dis si ça relague. J'espère pas pour la fin quand même. Ouais, ce serait dommage. Voilà, ouais, moi aussi j'ai des. Voilà, oui. Bon, on relancera le jeu sinon. Qu'est-ce que t'as fait à mon PC? Quoi maintenant? Bah. Je sais pas, on peut. Putain, faut que j'aille ouvrir au chat. Se préparer des cocktails, regarder la télé. Attends, Izzy. Vas-y, j'arrive. Vas-y. Peut-être un petit problème de co. C'est bon. Voici, ça, il y a des mini frises. Ah, j'en ai aussi. Mais j'ai peut-être ma co qui. Problème. Wig, des petits soucis quoi. Voilà, ouais, son pote toutes les deux là. Ouais, elles s'aiment bien au final. Pourquoi t'es toujours aussi positive? Pourquoi tu me poses toujours cette question? Je t'ai interrogé sur ta confiance en toi, pas sur ce que t'essaies de faire là. J'en sais rien, je crois que j'aime pas trop voir les gens tristes. Fais ça. Est-ce que mes vidéos. Allez. C'est pour ça que tu fais ton truc de vidéo sur le net. Ton truc de vidéo sur le net. Je sais pas comment t'appelles ça. Tu sais, les gens croient que les influenceurs veulent juste de l'attention et c'est peut-être vrai, enfin au début. Mais après un temps, tu te dis, c'est quoi la différence entre 4000 likes d'inconnus et 100 000 likes d'inconnus? Mais je fais marrer les gens. Je fais la conne et il se marre. Peut-être que je suis vraiment conne. Ou peut-être que j'aime bien faire rire les gens. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, quelle nuit de merde, hein. J'avais cherché aussi celle-là. Ouais. Vas-y, je veux t'entendre le dire. Quelle nuit de merde, une nuit de sa mère la pute. Une nuit de sa mère la pute. Et ça, on ne l'oubliera pas. Quelle nuit de sa mère la pute. Oh. Putain, j'ai eu la plus petite intervention du jeu. Ouais. T'as juste dit quelle nuit de sa mère la pute. Doucement, mens. Mens. Allez, bah. Laura. Facile de tirer à l'aveugle. Oh. Il voit dans le noir, c'est ça? Non, je pense pas. On sait jamais, hein. Je l'ai. Je vais te tirer dessus, hein. Tu vas payer pour ce que t'as fait à Makayli. Lâche-moi tout de suite. Mais elle a pas joué dans Insidious, elle? Si, je crois, elle a aussi fait beaucoup de films d'horreur, cette actrice. Oh! Ouais, bute-la!
Oh putain, Laura, qu'est-ce que t'as fait? Elle était humaine, elle. Arrêtez tous! Constance. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors... Je crois que c'est un... Ouais. Allez, debout. Debout. Allez. C'est fini. Mon petit Bobby. Maman est morte. Là, elle est mal à l'aise, Laura. J'ai peut-être fait une bêtise, non? Et oui, la vieille, oui, elle a fait des films d'horreur aussi, ouais. Mais oui. Tu ne protégeras plus personne, Travis. Mais j'avais un fusil à pompe. Ah non, j'ai peut-être plus de balles. Ah! C'est gratuit, ça. Oh, c'était tellement gratuit. Mais qu'est-ce que tu fais, Ryan? Ah, c'est un monte charge. Personne l'a vu faire, genre... Ah bah, à toi. Ouais, mais dans quoi il m'embarque, celui-là? Trop bizarre comme scène. Alors que le mec venait de tirer, c'était hyper silencieux. Ouais, juste pas en fait plus, ils se sont séparés, putain. Oui, ils l'ont pas juste fait courir vers un escalier et on aurait compris pourquoi il est là, quoi. Ah. Mmh. Ouais, c'est bien, t'as bien suivi tes cours. J'ai quand même pas le faire. Après, ça lui fait une arme en plus, quoi, mais bon. Ouais, mais on sait très bien ce qu'il lui en coûterait. Bon, de danger, ils s'en foutent hein, que tu saignes à mort. Ouais, je sais pas. On va pas prendre des risques. Je crois que tu dois avancer. Crois. Je crois. J'ai eu un moment très court, bah là. Là, t'as quoi? Oh, quelle belle vue. Un jardin mort. Sympa ton costume avec le couteau qui rentre. Ouais, c'est un faux couteau, ouais, tu sais. C'est hyper réaliste. On veut la lire? Bah ouais. Non mais, lettre de Kaylee. Lettre d'aveu de Kaylee Hackett adressée à sa grand-mère. Bah on peut la lire? Je pense. Non. Peut-être attendre que la cinématique se finisse. Et là. C'est échappe. Oh. Donc c'est indice ou preuve. Voilà. Ah. Non. Non. Bah pourquoi ça marche pas? Non mais ça bug un peu le réseau. Ok. Alors indice. Hop là, je bouge, qu'est-ce que tu peux faire? C'est le réseau. Ah, c'est preuve du coup. Ah. Tu cliques dessus. Non, on peut rien, ok, juste non, on peut rien. Mais c'est bête, il vient de la lire. Bon, c'est pas grave. Oui, super. Super quoi. Alors j'étais là-bas.
Bah, y a rien d'intéressant. Petit placard, quoi. Placard, oui. On n'y voit rien là-dedans. Il y a juste une porte au fond à côté du lit, mais. Ah, il est là où il y a la lumière. Ah, il y a un truc au lit. Au niveau du lit ? Ouais. Ah ouais. Oh, chipote pas, c'est bon. Oh ! Un pot de chambre. Enfin. Mais ils ont quel âge ici ? Ils ont quel âge? Pour faire des trucs comme ça. C'est une belle merde, hein. Tout en continuité. Bah. Faut vider le seau. Hein. Ah, ok. On va se cacher. Tout le lit avec la merde. Ah, pire cachette. C'est bien ça. Putain, tu me dégoûtes, Ryan. Le mec a aucune estime de soi. Cache-toi au moins dans un endroit classe. Je sais pas, fais quelque chose. Ah, mais il aurait pu retourner dans le monde charge. Oui. Bah, il se passe quoi? Je sais pas, ça bug. Ouais, ah. Ça bug. Tiens, thérapie. Oh, mais non. Oh non. Oh, tu tiens. Oh. Au bon moment. Oh, le lag de pute. Oh, l'horreur. Mais qu'est-ce que tu fais, Ryan ? Oh, il est silencieux. Je suis là, j'attends. Terminé. Ah bah. Il est vraiment con, cet homme. Ouais. Ils sont tous bêtes, de toute façon. Mais tu... Tu m'échapperas pas dans ma propre baraque, enfoiré. Ah bah il parle, enfant. Ah oui, d'accord. Un peu plus d'entrain, Ryan. C'est toi, l'enfoiré. Ah mais c'est vrai que je me fais tirer dessus, moi. Oui. Oh là là, les lags. Pourquoi on a ça sur ce moment-là, quoi? Ouais, c'est horrible. Ah, le lag de la respiration, là. Vénère, t'as pu appuyer. Oh, moi, je cours. Caché, c'est quand t'as un couteau dans le ventre. Effectivement. La vache. Oh, merde. Oh là là. Elle a déjà perdu un œil. De toute façon, je suis un loup-garou. C'est vrai. Oh. Oh, salaud. Oh, fils de pute. Oh, je suis amoché, là. Après, t'as quand même explosé la tête de sa femme. Oui, j'avoue. Après, je vais régène, normalement. J'espère pour toi. Bah, si j'ai pu me régénérer d'une morsure. Enfin, après, il te reste pas beaucoup de temps avant que tu te transformes, là. Mais ils sont chiens avec W. Ok. Wabi. Ils vont jamais se retrouver, Laura et Ryan, c'est impossible. Ah. Il y a des ours dans le coin.
Ouais, continue pas à courir et à se cacher, je comprends pas. Bah, tu sais, ils sont un peu tous concons là-dedans. Oh, le bureau. On peut pas lire, c'est de la mauvaise cam. Pas de la qualité comme je connais ça. Ah, l'arbre familial. Ah. Mais bon, ça ne nous change pas grand chose. Non. Peut-être vers la télé. Mais ça, c'est la chambre de... du policier, ça. Ouais, tu crois? J'ai vu des bouteilles de scotch. De Travis? Yes, Travis. Travis Scotch? Très bien. En rapport à Travis Scott. Exactement. Oh, le soleil. Je la prends. La dame dit qu'on la reverrait vite. C'est vrai. Oh. Est-ce qu'on a hâte? Il faut interagir, mais... Elle est partie. Mais ferme la porte. Coucou, ma belle. Coucou. Alors, votre femme, je l'avais pas tuée. Et elle a... Je sais pas, ça, elle avait un mal de crâne et sa tête a explosé. En fait, elle a tiré toute seule quoi. Oh putain. Mais en tout cas, j'avais pas le choix. C'est ma petite, j'ai pas assez d'argent pour te tuer. Mais tu peux me croire, je peux toujours te faire souffrir. Tiens, t'es trop vieux. Allez, te laisse pas faire. J'en ai maté des plus durs que toi. C'est vrai qu'elle a une bonne force normalement. Je vais le tuer aussi hein, s'il faut. Bah oui. De toute façon, faut tous les tuer là dans cette famille de merde. Oh non, la lumière m'emmerde. Je l'attaque. Y'en a marre de fuir, on fait que courir. Allez, il est bon, encore au sol. Une fois qu'on a un perso plus fort que les autres. Surtout que t'as déjà deux persos qui sont pas bien, toi. Il y en a marre. Oh. Voilà. Vous allez faire quoi maintenant? C'est moi le méchant dans l'histoire. Putain, elle devient une meurtrière là, attention. De toute façon, je suis loup-garou. Non, mais tu peux changer. Oui, mais il faut se défendre à un moment donné. La lumière au bout du tunnel. Je savais bien que ce serait utile. Ça pue la merde. Oui. Ah non, on a tué le monstre. T'as bien fait de le tuer en fait. Ouais, c'était une idée de merde. T'as tué mon perso. Alors, c'est moi qui l'ai tué, mais tu m'as laissé le tuer. Ouais. Bon, j'avoue que pour l'instant ça se déroule bien. Ouais, voilà. T'es quand même un peu inconscient, mais vas-y. Non. Bon, t'as plus de mère, plus de père, plus de neveu, plus de nièce. T'es tout seul, Travis. Non, il reste ses frères. Oh putain, Travis est anéanti. Pardon, Travis. Alors qu'il a pris soin de toi pendant 2 mois. Et de toute sa famille aussi. Mais non, discutez! Mais moi j'aimerais bien parler avec Travis. C'est pas un mauvais gars, Travis. Juste alcoolique. J'aurais bien voulu savoir ce qu'il a à dire. Allez, l'écran noir. Ah, c'est bon. Ariane. Ouf, on va y arriver, Ryan. T'as pas pensé à appeler Pikachu pour t'aider? Par contre, là, c'est pas le même gabarit face. Oh non.
On n'a pas de chance. Ça bug. Je sais pas où t'en es, mais j'espère qu'il n'y a pas de QTE. Je sais pas du tout. Non, c'est bon. Il ouvre une porte. Ah, elle est dégueu cette pièce. Pas que t'es prête à réagir. Non. Pourquoi il court pas le mec Mastoc? Il court et il te rattrape en deux secondes. C'est comme les méchants dans les films. Hop. Oh, je suis concentré. Là, il faut qu'on la fasse survivre. Après, c'est vrai qu'il fait noir maintenant. Peut-être qu'il te voit pas beaucoup. Vraiment, ce qui serait passé si on n'avait pas tué la matriarche. Ouais, franchement. Oh. Quoi? Oh, il t'a niqué. Ah bon? Ouais, c'est promis. Je dirai rien à personne. Non, non. La famille d'abord. Et je vais avoir des problèmes. Mais avec quoi? Tiens. En vrai, je pense que ça peut être ton t'as pote. Pris mon couteau. Putain, salaud, je l'avais gardé soigneusement. Oh là, c'est à mon... Choisis un adversaire à ta taille. Oh. Oh putain, Laura. Putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, tu sais, la routine habituelle. Oui, les couteaux dans les côtes. Qui veulent te tuer. Oh, je devrais pas toucher. Elle va me bouffer. Elle. Oh, je vais te manger tout cru. J'ai aucune arme. Je suis désolée. Si grave que ça. Tu sens si bon, Ryan. De régler ce merdier, mais il y a toujours d'autres victimes. D'abord Max et maintenant. C'est pas de ta faute. Rien m'obligeait à venir. J'aurais pas dû te laisser me suivre. Je crois pas que tu sois ma mère. Non. Tu mens. Désolé. Mais tu vas pas mourir, Ryan. C'est un petit peu de sang, c'est tout. Je vais mourir. Non. Ouais, couteau dans les poumons, j'imagine, ou un truc de genre. Mais ça va guérir, hein. Mais en même temps, pourquoi personne ne compresse sa plaie, là, putain? Peut-être devoir te mordre. Guérirait. Attends. Tu me griffes. Peut-être que oui. En soi, pendant 29 jours, on est normaux. Ouais. Ryan. Ah, mais c'est pas une mauvaise idée. Parce que, enfin, faut juste tuer le vampire, enfin, le loup-garou oui. Originel. Là, ça guérira. Ouais. Mais d'un autre côté... Ouais. Ouais, je sais, le grand méchant loup. Ouais. Oh. Il veut mourir ou mourir, Ryan. J'ai plus beaucoup de temps. Je le sens en moi, ça lutte pour sortir. Si je te mords et que tu guéris, alors... Je devrais tuer Chris. Tu tuerais pas Chris, mais un loup-garou.
Tu le Mais il est pas déjà mort. Ah non, c'était la gosse. Et la mienne, et celle de Max, et tes potes. Je te laisse me mordre. Et je vais tuer Chris Hackett. Ou je me vide de mon sang. En gros, ouais. T'as le choix, pour l'instant. Alors, on y va ou pas ? Moi, j'accepte. J'allais faire... C'est une dure décision. Parce qu'il peut être soigné, en fait. Oui, après, on peut tout régler, toi. Il faut... Parce que là, elle va être à contrôle, là, c'est terminé. Oui. J'ai la viande bien tendre. Après, on peut juste le griffer aussi, ça suffit, quoi, à la fin. J'avais quand même envie de goûter au fond. Oh, c'est dégueu. Non, non, retire pas. Hein. Bah, avec des dents d'humain, j'avoue, ça doit être. Ouais. Ok, 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 ok. Et puis elle est pas transformée là encore. Tu devrais commencer à te sentir mieux bientôt, je pense. Les botomies. Ouais. Je te tiens. Est-ce que ça va vraiment fonctionner alors qu'elle n'était pas encore transformée complètement? Qui sait, Nounouille? Ouais. Peut-être voir la vieille, là? J'espère pas. Non, pas celle que j'ai tuée. Bah laquelle? Bah la vieille dans son dans sa caravane là. Ah! Et non. Dylan. Tutu. Il y a plus de son. Ah non. C'est bon. Ah c'est bon. Les mecs ne jettent jamais rien, hein. Oh. Est-ce que tu pourrais peut-être au moins me dire ce qu'on cherche exactement ? Voiture. On dirait que la plupart de ces caisses ont déjà été démontées. C'est juste des carcasses vides et ça nous aide pas tellement. Ok, alors on cherche des... moteurs ? N'importe quoi qui serait intact. Compris. Allez, Dylan. Allez, c'est à moi de travailler là-dessus. Hop là, direct. Allez. Bam. Et ça fouille. J'ai l'impression qu'on a de quoi bien s'occuper, hein. Ah, essaie de faire moins de bruit. Oh, ouais. Merde. Ok, cette fois, la prochaine fois, c'est bon. Tu trouves un truc mmh. Qu'est-il ? Non, pas encore. Continue. Intrigué, mais je peux pas. Ouais. Parce qu'il y avait un petit reflet. Oula. Ah, mais c'est des takers. J'espère qu'il y a personne dans les parages. Mais non. Y'a que nous ici. Ouais. Mais il y a peut-être un téléphone ici. Hmm.
finir dans un documentaire. Mais non. Allez, ta gueule, viens. Parle mieux. Non, mais le stress. Parle trop mal, en fait. De toute façon, là, les deux persos sont à toi. Je vais te mettre un coup de moignon. Tu vas rien comprendre. En vrai, sa plaie, elle peut tellement s'infecter, là, c'est étonnant qu'elle le soit pas encore. Bah, ça va être un peu plus de temps que quelques heures. Quoique ça va vite, après, mais... Ouais. Ah, viens, je pensais qu'elle me laissait tout seul. T'inquiète pas, t'es pas tout seul, tout va bien. Ok, cul-de-sac, c'est bizarre qu'il y ait rien dans un cul-de-sac. Bah ouais, surtout dans un gros truc comme ça. Ah. Pas cul-de-sac en fait. Avant de monter, je vais finir. Ouais, en bas. En bas. Pardon, c'était flippant. Yeah. Besoin d'extérioriser. On est traqué par des monstres tueurs et c'est ça qui t'emmerde. Ils laissent les gens réagir comme ils veulent. N'empêche pas l'autre. Je déteste voir de l'électronique péter. Bon bah. Ouais, dans la cabane là. Ouais, c'est là. Non, ça c'est. Je retourne en arrière si je vais là-dedans. On va aller à l'étage. N'y y a rien. Mais c'est ouf de rien trouver là. Il y a là-bas peut-être. Ah. Ah ah. Bon, nous on veut un moteur ou un autre truc quand même. Pas une carte qui va faire démarrer une voiture. C'est un blague. Ok, super. Désolé pour la vieille foraine là, mais... Si elle avait pas un petit moteur sous le coude. Ah bah si, justement. Toujours avec moi. J'aimerais bien monter dans la grosse machine, moi, là. Ouais, je comprends. Ça va être possible. Y a... Ouais, il y a un escalier, je viens de voir. Oh. Oh là là. Oh, j'arrive. Même le petit tour qui est bloqué, donc je vais devoir refaire le tour. Et là, t'as laissé toute seule. Caitlin. 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 Non, réellement, elle est où? Bah, je sais pas. Elle t'a abandonné. Peut-être pas monter des marches. Ou les descendre. Caitlin. C'est pas drôle. Ah. T'as vu? Non, j'ai vu les escaliers. Ah, ils sont là. Machine. Dans la machine. Oh. Là. C'est la voiture de Monsieur Hackett, ça, non? Je sais pas du tout. C'est pas avec ça qu'il est parti. C'est possible, ce serait bizarre. Oh, c'est pas possible.
ce quoi. En fait, j'étais plutôt très doué au jeu des pinces de la... Non, ah, ils ont coupé du coup. Il a mis trop de temps à parler. On est en retard. Elle tire bien, mais en plus, qu'est-ce que tu vas faire avec une seule main? Oui, c'est ça. Mon donné. Mais bon, faut pas se voiler la passe. Je trouve qu'il y a Chris Hackett dans la voiture. Ah bah les gars, je savais pas la galère dans laquelle je me suis mis. Je passais en dessous. Que quelqu'un a oublié d'écouter sa mère quand elle lui disait de ranger sa chambre. Ok, voyons voir comment ça marche. Plutôt YouTube. C'est pas comment conduire une grue avec une seule main. C'est le tour de la pince. Mais qu'est-ce qui se passe? Désolé. Oh, merde. Oh, la discrétion, putain. Allez. Surtout que le bruit, ça les attire. On va tenter. Merde, je vais que je fasse un... Hop, sur Kathleen. Oh merde. Ah bah ça va pas de QTE. T'as réussi. Ouais, j'ai trouvé ma vocation. Bah il était temps. Quoi? Bah, y'a la lumière qui s'allume. Ah. Bah, bien sûr que tu préviens. Oh, non, je sais pas. Bah, oui. Je sais pas. Pourquoi je lèverai la voiture? Je sais pas. Ah, ça. Et là, tu montes la voiture. Et là, on monte la voiture. Vas-y, Pépé! Hop là, avec un bon rock. Oh putain. Allez Dylan. Ah, ah si. Non, Kathleen! Mais non! Mais qu'est-ce qu'elle branle? Oh, mais putain, mais. Mais elle est ahurie! Et allume ça! Mais genre le klaxon, ça lui a rien fait? Ça lui a un peu fait mal aux oreilles. Ouais, casse-moi ça, ouais! Et Pépé, tu loupes pas. Je vais y arriver. Je pense que c'est. Tuer, mais... C'est monsieur Hackett, ça, ça m'a l'air. Et ouais, imagine, c'est Hackett, faut le buter lui. Mais meuf, c'est toi qui as le gun, tire. Faut arrêter précis, mon gars. Elle l'a perdu, je crois. Putain. Oh là, ça fait chaud. Pas de louper. Il est pas mort. Non, il est pas mort. Non mais souriez pas maintenant. Rangez vos dents là. Et retrouve ton arme, Kathleen. Ok. Dylan, merci. Tu m'as sauvé la vie. Vraiment. Les insultes n'étaient pas obligatoires, mais de rien. Mais j'ai hâte de savoir qui ils choisiront. Quoi? Pour jouer mon rôle. Dans le film. Sur mon courage héroïque.
On se calme. Ok. Bon. Notre plan de fuite est à la poubelle. Allez, on fait demi-tour. Mais il y a peut-être des trucs dans la carcasse de la voiture. Toujours mieux que de rester ici. Allez. Ils sont venus là pour rien. Bon, ils ont neutralisé un ennemi. Ouais, enfin, ils ont même pas ouvert le capot pour voir. Ouais, j'avoue, mais c'est peut-être pas cassé, hein. Mais ouais, sérieux. Le scénario nous appelle, il faut que l'on retourne ah, en arrière. Il est toujours là. Il est contre la logique. Contre le bon sens. Ah, on a encore un écran noir. Il manque le chapitre 9 s'appelle La Matriarche, elle est morte au bout de 15 secondes. C'est vrai que pour le coup, on l'a vraiment pas vu longtemps, quoi. Mais bon, mais je pensais que ce serait une loup-garou, elle aussi. Elle serait transformée à l'instant, je pense. Bah, elle serait déjà transformée à cette heure-là. Non, mais avant qu'on la voie, je pensais que ce serait un loup-garou, la maman. J'ai l'impression qu'il y a que Chris et ses enfants, donc ça vient de lui, hein. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Et sa mère, sa maman, elle veut sa famille essaye de le protéger, quoi. C'est bizarre, alors. Eh bien, tout ça pour Abigail, on y va. Si ma souris veut bien bouger. Ah oui? Ah oui. Attends. Ah oui. Ah, ça devrait aller. C'est bon. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais bon, on va faire avec. Ouais, pas trop le choix, ouais. De toute façon, il faut bien un problème technique. Oui, c'est vrai, tout s'est bien passé. On peut pas rester là. Pourquoi? Dylan dit que ça va. Ouais, mais j'ai pas envie de poireauter là. T'as vu sa peau? Mais oula. C'est littéralement tout ce qu'on a à faire. Juste attendre le matin, non? Bon. Bon, il nous faut une arme. Va regarder ce qu'on peut trouver. C'est toujours mieux que d'attendre sans rien faire. C'est arrivé quand? Je sais pas, mais elle a un truc qu'elle a pas montré. Emma? Ou oh, ça a déjà cicatrisé. Emma! Okay. En même temps, mais on y voit rien. Là, on y voit... Attends, peut-être... Genre là, je sais pas où aller. Là, attends, on va peut-être monter la luminosité parce que là... D'accord, un peu de... Voilà, des trucs un peu sombres, ça va, mais... Même les paramètres, ils... C'est trop demandé, quoi. Pour toi, j'avais réglé comme il fallait, hein, mais... Parce qu'il fallait que lui soit... Le but, c'est que lui soit invisible. Et l'autre, à peine visible. Bon, on va monter un peu. On va mettre à 40. Allez. C'est mieux ? Ouais, on voit des formes. Ouais, c'est déjà mieux. T'as vu Emma là au fond? Non, mais c'était pas Emma. Oui, mais là, il y a Emma, regarde, dans l'ombre. Ah oui, oui, je la vois. Enfin. Qu'est-ce que t'as envie de manger, Emma? Un burger? Une bonne pizza? Un bon petit bras? Allez, on va y arriver, Abby. On dirait qu'on a retiré un des fusibles. D'où l'absence de courant. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Ah oui. Qu'est-ce que c'est? C'est pas retiré seulement. Des balles d'argent. Comment elles sont arrivées là? Le chasseur a dû les perdre.
Il a dû monter par là pour attaquer Kathleen. Ces enfoirés sont partout. On va les garder, hein. Pas qu'elles ont gardé. T'as trouvé quoi? Regardez juste l'échelle. Est-ce que... c'est une toute petite trappe, là-haut? Oui. Eh ben, ouvre-la. Pourquoi? On sait pas ce qu'il y a là-haut. Exact. T'as un peu suivi ce qui se passe, ou pas du tout? Ok, ce que je veux dire, c'est... que ça peut être bien pour nous d'avoir une issue. Tu vois, on sait pas ce qui se passe dans le chalet, et on pourrait peut-être aussi trouver de quoi se défendre. Ok. Ouais, t'as peut-être pas tort. Ben, elle est bizarre, Emma. Vraiment? T'es bien sûre? Pardon. Les dents. Ça t'arrive jamais de prendre une décision toute seule, en fait. Oh, tu me dégoûtes. Emma, ça va? Mais qu'est-ce qui te prend? Monte à l'échelle, Nounouille. Monte à l'échelle. Oui. Emma. Non, mais t'approches pas. Abby. Emma. Ils vont tous se transformer, c'est incroyable. T'as entendu l'histoire? Cours. Encore. Je sais pas si c'était la meilleure idée. Je pense que c'est mieux. Cette musique avec la trappe, je peux lui refermer sur la gueule, quoi. Oui. Alors qu'en plus, escalier, plus facile à monter qu'une trappe. Oh mon dieu, j'ai rien dit. Ah mais c'est la trappe de monsieur... Ouais, le bureau. On avait raison. Il y avait une pièce secrète ici, mais oui. Je crois pas qu'il soit au courant, Abby. Non. Mais nous, tels les spectateurs omniscients que nous sommes... j'ai marre de Laura. Elle met des patates maintenant. En vrai, ça va, ça l'a que au début des séquences. Bon, ils sont pas prêts d'arriver jusqu'ici. Ouais, la séquence de tout à l'heure avec Ryan, ça a bien buggé quand même. Je crois que je vais me reposer. Tu vas te sentir mieux. Cool. Je me sens plutôt bien, en fait. Qu'est-ce que tu fous? Arrête. Tu sens ça? Non. Pas grave. Faut qu'on trouve un moyen de descendre, de rejoindre Chris Hackett. Ou juste une sortie, peut-être. Je veux plus qu'on me traque, qu'on me plante. Ouais. Et puis une sortie. Ok. Oh. C'est quoi là-bas? Laura, elle vit trop bien sa vie de nouvelle loup-garou, quoi. Non mais là-bas? Mais ça bouge. C'est Chris. C'est un monstre attaché? Pour pas qu'il soit attaché. Quoique, si peut-être. Chris? Tuez-le! Par pitié! On a trouvé Chris Hackett. Mais pourquoi les autres gamins, eux, sont libres, genre les petits enfants là? Merde. Peut-être que lui il est trop violent. Ouh! Ça sert pas à grand chose. Oh! Oh là là! C'est hyper utile, dis donc! Mais dépêchez-vous!
Mais c'est incroyable. Elle est super. Il est déjà au bout de sa vie, Ryan, en plus. Il en peut plus. Quelle journée. Oh là là. J'ai rien fait du tout. Sans blague, tu nous as jeté dans la merde. C'est qui l'autre? Ah bah oui, c'est... Oh putain, Travis. Oh non! Putain, Laura! Oh, le miroir en argent. Ah, comme par hasard. Bobby se défend bien. Allez Bobby, il a de la force. Imagine lui en loup-garou. Le master quoi. Allez. Allez Ryan. Là, tu vas devoir choisir sur qui tirer, mais je crois que ça lag à ce moment-là. Mais pourquoi j'ai toujours les pires lags? Oh non, le jeu, c'est bon, tout a bien marché avant et il faut que tu bugues à la fin. Ça saoule. Mais je suis dépassé. Voilà. Tu peux regarder. Ouf. Oh oui! C'est-à-dire que là, elle a juste mordu, c'est bon. Je me suis dit, le pantalon, c'est pas le pantalon de Laura. Allez, je tire. Et j'ai bien fait. C'est vrai? T'as déduit ça? Je te jure? Ah ouais, putain, j'ai même pas capté que c'était pas ce pantalon. Ah bah, c'est à moi. J'ai regardé par rapport aux vêtements, je me suis dit, putain. Merci. De ne pas m'avoir tué. Bon. Tout le monde redevient comme avant. Quoi? Ah. Tu crois que c'est terminé? C'est pas si simple. Ah, ça peut dépendre de qui t'a mordu en fait, je pense. Je comprends pas là. Chris est mort. C'était pas le premier. Ben c'est qui? C'est impossible. Caleb. Kaylee. La fille que t'as tuée. Son frère. Quoi? Caleb a mordu Chris et Kaylee. Chris voulait juste les protéger. C'était un homme bien, mon frère. Mais alors, qui a mordu Caleb? Silas. On le traque depuis longtemps. C'est un gitan, un nomade. Et il avait quitté la région, mais on espérait le revoir pour en finir. Il a été repéré un peu partout sur la côte, un enfant sauvage albinos, un loup blanc géant. Un loup blanc. Hein? T'as dit quoi? Où? Où tu l'as vu? Hé, hey, lâchez-le! Vers les cabanons, un peu plus tôt. Ok. Ok. Donc il est par ici. Bon, c'est logique. Je comprends tout, oui. Il doit être de retour depuis un moment et c'est lui qui s'est jeté sous vos roues il y a 2 mois. Sauver ce qui reste de ma famille. On peut aider ceux qui sont encore en vie. Bah, j'ai aucun choix. C'est suspicieux, c'est moins que mauvais. Je te demande pas ta confiance.
Je dis juste qu'on peut en finir. On tue Silas et tout le monde sera guéri. Non, mais fallait le dire à la place de faire croire aux gens que c'était Chris le méchant. Il avait dit que c'était Chris. Il a dit que c'était l'originel. Oui, mais voilà, il a laissé sous-entendre. Quoi. Oui. Où est-ce qu'on pourrait le trouver ? Je sais exactement où le trouver. Ok, allons-y. Bien. Mais du coup, Ryan va jamais ça veut pas dire que je vous se soigner. Ce que vous m'avez fait. Je comprends. Bon, butant Silas, peut-être que si c'est Chris qui a fait. Ça dérangerait l'un d'entre vous de me trouver des fringues. Elle va avoir des trucs de grand-mère. Parce que de toute manière c'est l'originel Silas, donc normalement ça m'avait fait un tout. Oui c'est ça, mais du coup est-ce que Ryan du coup ça s'est annulé sa guérison, que ça s'est annulé pour Bah ça va s'annuler si il a pas eu le temps de guérir avant. Ouais. C'est triste, une bonne personne. C'est pareil, du coup elle aurait un seul œil après Laura. Ah je me disais bien qu'elle était méchante elle. Mmh. Par contre, on l'entend pas. Elle est muette. Vous saviez pourtant l'occasion. Vous aviez l'occasion d'éliminer cette famille maudite et vous avez échoué. Ah et du coup, oui. Le soleil. La vitalité d'un nouveau jour. Vous pouvez encore vous réveiller au chaud après avoir survécu à la nuit. Vos choix, vos actions, c'est votre vie tout entière qui est en jeu. C'est à vous de trouver votre chemin au cœur des ténèbres pour pouvoir espérer voir à nouveau le soleil se lever. Jugement. Le jugement. Les cloches du jugement annoncent un meurtre sanglant. Vraiment. La rage d'une haine acquise. Un destin bien mérité ? Sans doute. Mais il n'est pas sans utilité. Même s'il ne pardonne pas, il n'oublie pas. La vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous le montre ? Oui ? Bien, mais je ne peux malheureusement me plonger que dans un seul des futurs possibles. Alors lequel ? Choisissez. Mm-hmm. Moi j'aurais dit le soleil. Moi aussi. Bon bah on est d'accord. Une okay. Dernière fois, repartez pour mettre fin à tout ça. Elle doit être de la famille de Silas, du oui, coup. Oui, je pense que c'est sa maman. Ouais. Bah ton fils, il a foutu la merde. Voilà, fallait mieux l'éduquer, putain. Donc le soleil, c'est juste... Comment ils appellent déjà ? Je sais plus. Max, on l'a jamais. Pourquoi on joue Max maintenant ? Ah, c'est toi qui joues Max en plus ? On l'a jamais choisi. Hein. On si, au pas. Début, au tout début, quand on faisait l'investigation de notre voiture, tu sais. Même... Après le crash. Ah ouais, je m'en souviens même pas. Non, mais normalement, on aurait dû se partager Laura et Max du coup. Ah, mais t'es pas au courant quoi. Ou bien on n'a pas joué Max, je sais pas. On l'avait pas joué encore. Peut-être, ouais, je crois qu'il était peut-être resté dans la voiture pendant que Laura fouillait le coffre. Hein ? Putain de merde ! Qu'est-ce que je fous tout en haut d'un arbre ? Il a oublié ? Laura ! Du sang. Comment je vais faire pour redescendre ? Comme ça. Dans sa tête ou
Non, mais il devrait rester caché en attendant. Où est-ce que je suis ? Et du coup, est-ce que Emma l'est détransformée ? Ça dépend qui l'a griffé, mais je crois que c'était lui, donc ça devrait être bon. C'est Mac qui les a pris. C'est quoi ces conneries? Il a porté la suite d'Emma. Ok. Faut que je retrouve Laura. Énorme. C'est pas trop à sa taille, mais bref. Mais ça te va bien, dis donc. En soi, ça va, il est juste moulé, mais bon. Je pense que le haut est un peu petit. Clairement mieux fait d'aller au motel Harbinger. Ça fait un crop top. Ouais. C'est bon, j'en ai marre de perdre du temps. Putain, mais si on avait été à l'hôtel en vrai, qu'est-ce qui se serait passé pour eux deux? Bah, eux deux, rien, du coup, je pense. Mais ça n'empêche pas que... l'autre a bousillé la voiture. Ouais. Ton perso, là. T'as que des losers, toi. Hein. Pardon ? Non, mais oui, genre, l'autre, il bousille la voiture. L'autre, il dit pas tout, il nous fout dans la merde. Ouais, enfin, il a été dépassé, c'est tout. Ouais. Elle a dû revenir. Et Abby... Bah, t'as quoi à dire sur Abby ? Bah, c'est juste avoir peur. Ce qu'elle fait. Il a mis sa casquette. Le style au paroxysme. La casquette de Laura. La dégaine, la démarche et tout, elle est incroyable. Ouais. Je comprends pas, c'est qu'il y a plein de kayaks partout. Pourquoi il y a... Moi, j'en ferais descendre un. Hein. Allez, c'est vrai qu'il y a vraiment des kayaks juste à côté. Bah, la casquette. Sont dans l'eau, il est en sécurité. Vraiment, Max, je me souviens pas qu'on l'ait sélectionné. Non, je crois qu'il était resté dans la voiture pendant que Laura fouillait. Non, mais même quand on a sélectionné nos persos au début, parce que là, ça fait 7 persos et on en avait 3 chacun. Ouais. Ou 4, je sais plus. Et peut-être que oui. Bah, tu vas dans l'eau. Va dans l'eau. Mais quelle connerie, putain! Oh là là, c'est... Oh là, putain. C'est incroyable. Mais quelle merde. C'est incroyable de faire ça. Ils m'ont dit de rester au travers. C'est comme... Il y avait aucun... Oh là là. Il me saoule. Perso, moi, je serais resté. Même pas j'ai pu esquiver ou me défendre, quoi. Genre juste... Non, t'as perdu. T'as fait le mauvais choix. Hop, tu prends. Allez. La table, aide-moi. Et venez aider Abby, s'il vous plaît. Putain, le loser. Oh là là, le mec venait de te soigner et il vient de se refaire mordre. Bon, ok. Je crois qu'on fera pas pire là, si. Cool. C'est comme à la télé. On a de la chance qu'il pleuve. Ça nous donne du temps. Comment tu sais ça? Ils aiment pas l'eau, tu te souviens? On aurait dû passer la nuit à se baigner dans le lac. Oui. Pour crever d'hypothermie? Non.
Ça, tu fais un tour toutes les demi-heures pour te sécher. Mais ici, on est bien. Mais oui, tu fais attention avec le fusil à pompe, tu vois là. Ces enfoirés savent qu'on est là. Et ils viendront à la première occasion. Puis il y a votre pote qui est peut-être encore en loup-garou là. Il nous faut un point de vue. Suis-moi. Mais Dylan, il est au courant pour la chambre avec les caméras. Oui, mais je crois que c'était débranché, non ? Ah, peut-être. Regardez dans les fusibles, il y avait caméras de surveillance. Ouais, mais lui, il le sait pas. Oui, ça l'avoue. Oui, mais moi, en tant que spectateur omniscient, je le sais. Ouais, mais Dylan, il aurait pu la diriger par là. La cheminée, la cheminée. Dégage. J'ai pas oublié. Où la cheminée ici ? Il y avait une carte. De toute façon, ouais, tu peux fouiller un peu. Voilà. Non, je sais plus, c'était quoi la cinématique où on voyait une carte à côté d'une cheminée. Je sais pas, c'était dans une grande salle comme celle-là. Ouais, c'est pas ça. C'est pas la salle-là. Ils nous l'ont bien montré en mode, hey, c'est la carte et... Elle est là, hein. Elle est ici. Ah merde, c'est fermé. C'est vrai que moi aussi, quand il y a un meuble devant moi, je peux pas avancer, quoi. C'est... Ah, un meuble dans l'escalier, c'est mort, hein. C'est vrai que l'enjambé, c'est compliqué, quoi. Bon, le grand Adèle, là, tu te pousses? Et oh la main! Peut-être qu'il en a qu'une seule. Ah. Depuis quand il est là, lui? Un bon paquet de temps. Depuis l'époque où c'était encore tendance de se faire tirer le portrait en peinture. Je dirais pas non à un portrait de moi. Oh, le choix. Quoi? Qui ne s'affiche pas. Mais c'est surtout qu'ils nous préviennent qu'il y a un danger. C'est continuer à regarder ou faire quoi? Ou se préparer à l'attaque. Reprends avec moi, chante le haut et fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ensemble jour après jour, en plus d'être amis pour toujours. Cet été d'où nous sourit, vive à Katsquari. Deux mois et tu connais pas les paroles? Petit jugement là. Donc il y a encore le neveu. Il y a le blanc le là. Et il y a du coup il y a re. Il y a peut-être Emma parce qu'on sait pas qui l'a griffé. Et Max. Et Max. Ils sont encore 4 théoriquement. Et on sait pas si Dylan il va se transformer ou pas. Normalement, non, parce qu'ils ont sectionné au bon moment. Il n'y a pas eu de problème. Pas Dylan, pardon. Ryan. Ah oui, Ryan. Non, j'ai pas trop compris la logique, mais je pense que oui. La logique, c'est que si tu es celui qui t'a mordu ou griffé, c'est bon pour toi. Ah, mais lui, il se retrouve toujours à poil dans la forêt. Hein. Nuit de sa mère la pute, on m'a dit. Je voudrais juste vous demander pardon. C'est tout ce que je demande. À qui ? Merde. Je voulais juste une dernière nuit. C'était trop demandé. Merde. Arrête de chialer, t'es ridicule. C'est vrai que tout ça, c'est un peu ta faute, quoi. Un peu, oui. Ça, le dit à jamais personne, hein. Sinon, on va t'en vouloir toute ta vie. Ouais, mec, fais gaffe. T'emportes ça dans ta tombe. Et je peux comprendre que il se sent un peu nul. C'était bien ton joueur, tu l'as bien joué. Ouais, t'as vu, c'était sympa, hein. Ça y est,
deux fois qu'on me fait le coup. Ah si, les caméras fonctionnent. Il se passe quoi? Qu'est-ce que... Voilà. Mais quoi? Voilà. C'est quoi ce Beans? On sait que le tableau est des dents. Elle a des balles en argent, elle, ou je pas? Je crois pas. Prends le risque. On prend. Salut. Moi, t'es face à lui, t'es pas dos à lui. Ouais. Non mais c'est qui lui? Non 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 non, les gars. Non. Oh non. Ah non. Ça t'arrive à toi aussi. Ça c'est le vrai méchant du jeu, ça. Je comprends pas pourquoi ça lag aujourd'hui. Enfin, la vision elle est horrible en plus. Je veux que là c'est un bon plan. Oh putain. Oh bien joué. Bien c'est... Joué. Retire. Clac clac bang. Clac clac bang. Allez. Je suis dans la tête la prochaine fois. Ah. Non, je crois qu'ils ont pas compris que bloquer les portes ça marchait pas contre eux. Kathleen, oh mon dieu, il faut que je l'aide, il faut que je l'aide. Comment tu fais pour l'aider là? Il y a peut-être un micro, il va peut-être l'aider, il y a peut-être une carte. Oh non. Il est où Dylan? C'est pas, ils sont séparés. Il pleut plus? Ouais. T'es persuadé qu'il pleuvait, c'est pour ça que je suis sorti. Ah, oh non, ça a niqué ton plan. Ouais, ça a niqué tout mon plan. Ils ont dit il pleut. Ah ah. Mais je pense que c'était mieux de passer par le toit. Ça va tranquille, genre ils sont vraiment à l'aise hein. Ouais, sans blague. Pour ça qu'à la fenêtre il a plus de mal pour passer. Mais refermez les portes derrière vous, bordel de merde. C'est un chien mais il est pas con quoi. Ils ont vraiment fait le move de « Oh non, on se cache pas la même cachette !» Moi je pense que la même, c'est tout... au moins... Ouais, non, en fait, y a... ça peut se discuter. Non mais on n'est pas à cache-cache, les gars. En plus, ça lag. Oh, Pépé. Alors, vu le slip, ça a l'air d'être Emma. Petite culotte. Mais tu crois que c'est Emma? Oui, c'est l'air d'être un culotte ou un string, je sais pas, mais pas un caleçon. Ah bah elle a bien pris en centimètres. Continue à retenir ma respiration. Lâche pas. Il est pas parti. J'aurais peut-être dû. Oui, lâche. Tu pouvais. Mort. Oh non, Pépé. À chaque fois, on a lâché la respiration quand le mec sortait de la pièce. Oh non. Je me suis fait avoir. C'est par quoi? Par les habitudes. Quoi? Oh putain. Oh, le self-control de Dylan.
Ah ouais, t'as buté Kathleen là? J'ai pas buté. J'ai à chaque fois quand on doit retenir la respiration, le mec part au moment où on peut relâcher. Là, il est resté dans la pièce tout le long. Je savais pas quand le relâcher. Oh, après, mais t'avais les petites. Ben oui. Les petites lumières rouges. Il y avait les lumières rouges, mais je pensais que ça allait pas revenir, tu vois. J'attendais quand même. J'aurais dû... Ah putain. En fait, ouais. En fait, je pensais que j'étais plus dur que ça, qu'il y aurait pas d'indicateur, mais en fait, si, il y en a. Ah là là. Oh Kathleen. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans en fait? Il y a eu un feu qui a tué des dizaines de personnes et maintenant on a des loups-garous et un fantôme qui hante les bois à la recherche de son petit garçon disparu. Oh putain, je viens de comprendre, c'est Silas! Oh merde! C'est une longue histoire. Non, pas vraiment. Il y a eu un feu, Silas l'enfant chien a fui, mordu des gens de votre famille et vous avez rien pu faire. Ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance. Bah si, justement, il faudrait au moins qu'on sache à quoi on a affaire. On a affaire à un gamin sauvage devenu loup-garou qui arrive à nous échapper depuis 6 ans. Malgré tous nos efforts, on sort le chasser à chaque pleine lune, sans en rater une. Et là, ce fils de pute se montre enfin. Alors ce qui nous attend, c'est ma seule chance de mettre un terme à ce merdier. Comment vous pouvez savoir où il est? Et comment vous voulez qu'on le trouve en roulant en plein milieu de la route? Comme ça. Ah non mais ça bug pas à jeu en fait, c'est pas le moment. Oh, le réflexe. Bon courage Pépé. Ils sont tous assommés là? Il se passe quoi? Bah on a rien vu. Il a dû percuter la voiture, Silas. Travis, ah, parce qu'elle, elle s'est protégée la tête. Oh, oh, oh. W. C'est bon, mais t'es en retard. Oui. C'est fait, y'a... On bug tous les deux. Est-ce le loup blanc? Il faut de l'argent. Où est-ce qu'il est? Il a pas pu disparaître. Il doit pas être loin. Vous lui avez roulé dessus quand même là, non? Je tourne un œil. Non mais t'es dingue! Ryan, il est où? Il est assommé. Il va bien. On est arrivé. Tu vas bien? Pas au top, mais ouais. Par ici. Il y a du sang. Pourquoi s'est coupé les cheveux? Non, on les a attachés, non? Elle a une robe de vieille. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La mode. Wow. C'est là qu'on est sorti de la route il y a 2 mois. Regarde, les cheveux sont plus courts. T'essaies de savoir si tu dois me tirer dans la tête. Ok. Vas-y, je t'arrêterai pas. Quoi? Oui. Je sais pas, moi j'ai encore l'image où ils sont tous les trois face, derrière la voiture. Ah. On masque notre odeur avec du sang de loup-garou, mais je suis à sec. C'est dangereux. On risque nos vies. T'es prête à y aller? Et là, tu vois quoi? Toujours l'image où ils sont tous les trois devant la voiture. Ok, cool. Pourquoi, c'est à moi de jouer, là? Non. Si? Et là, tu vois? Non. Super. Ah, oui.
Je leur ai dit, allons tuer ce bâtard. Ok. C'est là que je voyais Travis bouger. Et du coup, les bouches plus. Ah si, c'est bon. Et donc, t'as été pris dans l'accident. Je prends tes bugs et en plus, j'ai pas une connexion des plus élevées aussi. Ça cumule, quoi. Heureusement qu'il y a que deux chapitres. Ouais, là, c'est le dernier. Ça. Ouais. C'est celui qui bug le plus. Allez. Peut-être que c'est même pas nous, c'était juste leur jeu. Hein. Ouais, c'est le jeu, ouais. Ou peut-être un peu des deux. C'est pire que dans le podcast. Là, ses cheveux sont... C'est là que je l'ai vu. Je crois qu'il y a un fort raccord. Possible. J'ai cru que c'était... J'ai cru que Max l'avait percuté. Mais quand je suis sortie, elle était autre chose. Qui ? La femme, la vieille femme. Elle répétait la même chose en boucle. Oh merde, elle disait Silas. C'est impossible. La femme dont tu parles... Je l'ai vue aussi. Dans les tunnels. C'est Elisa Vorez. La mère de Silas. Je crois. Direct, c'est un choix. Elle avait un spectacle itinérant, Arum Scarum. Elle est venue il y a 6 ans. Son fils était dans une cage. C'est horrible. Elle l'appelait Silas, l'enfant chien. Elle est morte brûlée. On dit qu'elle est restée. Bah c'est vrai du coup. La folle de Hackett Squarry. Depuis, on recherche Silas. Qu'est-ce qui a mis le feu ? Sérieux, vous jouez encore à ça ? T'as fait sauter la tête de ma nièce, Kelly Hackett. Mais elle pensait que c'était Chris. Les plus gentils que c'était reporté. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider ce garçon. Foutu en cage par cette vieille sorcière. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a voulu l'aider. Travis. Elle a dit à Caleb d'allumer un feu pour faire diversion. Tes potes de foin. Le temps de faire sortir Silas et lui rendre sa liberté. Ça a mal tourné. Ouais. Tout le monde est mort en quelques minutes. Le foin crame vite. Elisa, la troupe. Kaylee a réussi à faire sortir Silas. Oui, Caleb s'est fait mordre. C'est pour ça que vous le chassez. Ça fait quoi comme ça ? Chaque pleine lune est depuis 6 ans. Choix gentil. Ok. Sacré chasseur, dites donc. C'est le dernier maillon. C'est pas vrai. Merde. Vous le voyez ? Négatif. Putain, j'avais rien vu de tout ça. Je savais pas non plus que c'était là. Oh, regarde ses cheveux. Mais je vois pas. Tu vois pas ? Oh, faudrait que tu... Non, ah, tu verras. Ça frise. Il monte, il descend, il se coupe et se rallonge. Oh mais il est trop bizarre. Ah le bug. Alors c'est peut-être pas nous qui faisons bugger la séquence. Hein. Wow. Oh, putain. Là ils sont courts, là ils sont longs. Mais moi j'ai des gros frises de bâtard. Ouais, alors. Désolé. Chaud. Mais t'inquiète. On doit chauffer. Vous l'avez vu aussi. Malheureusement oui. C'était la maman. Ouais, la vieille qui a fait. Là ils sont courts, là ils sont longs. Attention, ils vont se raccourcir. Prochain mouvement brusque. Là ils sont courts là. Qu'est-ce que c'est ? Là ils sont à moitié. Ça doit être lui. Ah, là ils sont courts. Attention.
Quelle horreur. Mon Dieu. Oh merde, faut que je mette mes mains. Ouais, prépare-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait par... Qu'est-ce que t'attends? Tire, espèce d'idiote! Est-ce que je te... Mais tire! Il y a un doute qui s'installe, je crois. Tu penses que c'est pas Silas? Je pense qu'il est... sûr de ton coup? J'entends pas, il a l'air d'être pas dans le mal quand même. Pourquoi il chasse pas comme les autres? Bah vous lui avez un peu roulé dessus quoi. Je suis obligé. Il y a trop de doutes. Ah là, je fais quoi? On devrait y aller avant de le voir comme ça dans sa forme humaine. C'est déjà trop tard. Je vais voir quoi ressemblait moi. Mais moi aussi je voulais savoir. Et oh. Nous on n'est pas des petites natures hein. Donc il y avait une autre fin où on le tue pas. Ouais, j'ai vraiment hésité, mais au bout d'un moment... Le problème c'est que pas le tuer, il y avait trop de risques. J'ai vraiment hésité. Est-ce qu'il y avait vraiment une autre solution genre... Ah, mais je sais pas, il y avait un truc bizarre. Ou après c'est peut-être la vieille qui essaie de nous mettre dans la fosse. Oula, elle va pas être contente. Enfin, de toute façon elle est morte. Au moins il sera avec toi ton fils. Je suis certaine que vous pensez avoir tout compris. Je suis sûre que vous vous prenez pour un génie. Non. J'ai voulu vous aider. Voulu vous prévenir. Je vous ai pris en amitié. Elle dit les choses concrètement au lieu de faire des énigmes, connasse. C'est fini. Faire fourrasse, bah. Je n'oublierai pas ce qu'ils ont fait à mon Silas à cause de vous. J'étais avec vous toute la nuit. Et je ne vais pas vous laisser tranquille simplement parce que la nuit est enfin terminée. Non. Vous entendrez un bruit dans le noir, un murmure dans l'ombre, un souffle sur l'arrière de la nuque. Oui, c'est tout ce qui peut faire le fantôme. Non, je ne vous quitterai jamais. Je ne vous quitterai jamais. On s'est juste fait manipuler par la famille Hackett. Oh, I could hide. Yeah. Oh non, la musique, c'est bon là. Oui, le soleil se lève. Ouais, ouais. Bon. Voir qui est encore là. Qu'il est devenu de Max. Ok. Ah. Bah c'est la vie, hein. Oula. Ah, c'était Nick? Oui, c'était Nick, ils l'ont dit. Il y a quête. Ah oui, c'en sait. Ok. Ah, il est mort, lui, non, du coup. Non, il est mort. Ah, et bah. Putain. Oh, il est mort vite, lui. Ok,
Ok. C'est Caleb qui l'avait mordu. Ah, c'est donc Caleb encore. Putain, il a fait des victimes, lui. Ouais. Je pensais que c'était Emma qui était réussi à sortir, tu vois. C'est le loup blanc à... Oh, Caleb. À la casse. Non, t'en aurais fait des morts, Caleb. Putain, Caleb, il... Ok. Voilà, elle a des cheveux très courts. Tu vois, il fallait tuer Silas pour sauver Ryan. Ah, voilà Silas. Eh B. Oh, le massacre. J'ai il y a zéro Caleb. Preuve. Il y a zéro preuve. Ouais. Ah, Max, je suis là, dégoûté ça, pour Max. Je suis dégoûté. Genre, juste, ils m'ont rien. Toi, encore Caitlyn, j'ai merdé. Et c'était. J'étais ouais. Juste. Oula, c'est fort. Mais Max, c'est injuste. Non, Max, c'était vraiment pas le bon choix, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils t'ont même pas laissé la chance de faire un QTE. D'arracher des infos à la police, surtout quand tu débarques et que tu fais « Salut, je suis spécialiste du paranormal ». On n'avait pas déjà parlé de l'histoire de Hackett's Quarry ? Pas cette histoire de Hackett's Quarry. Ça s'est passé au moins 3 mois, t'es à la bourre. Anton, si on se présentait d'abord. Vous écoutez Enquête Paranormale, le podcast du surnaturel. Je suis Grace. Et moi Anton. Et ensemble, nous explorons l'hypothèse de manifestation paranormale dans les événements de notre quotidien. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'événements de la vie de tous les jours. Avec une once de phénomènes spirituels et surnaturels. Non. Ok, bon. J'espère que t'as assuré ton bonnet, Anton. Parce que je vais te retourner le cerveau. Que j'ai assuré mon bonnet, c'est-à-dire ? Ben oui. C'est plus prudent d'assurer les choses auxquelles tu tiens le plus. Mon bonnet ? Oui. D'accord. Je vois où sont tes priorités, vas-y. Alors en fait, nous avons une vraie bonne raison de revenir sur Hackett's Quarry. Il y a eu des développements. Et j'ai dégoté quelques infos. Je reste sceptique, mais je t'écoute. Sous mon bonnet. J'espérais que tu dirais le ça. Bonnet. Bonnet. Arrête, fais pas ça. Et toi, est-ce que t'as un bonnet pour cet hiver? J'ai un bonnet. C'est quelque chose que beaucoup de nos auditeurs doivent ignorer à mon sujet. Bref, il se trouve que j'ai quelqu'un à l'intérieur. Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui va sans doute être un peu plus concret que d'habitude. Qui tu as à l'intérieur? Et à l'intérieur d'où? Quoi? Tu as quelqu'un à l'intérieur? Est-ce qu'on n'a pas tous quelqu'un à l'intérieur? Tu sais cette petite voix qui ils sont complètement défoncés. Que personne n'est ouais. Ok, bref, ce que je voulais dire, c'est... Disons que j'ai reçu une contribution anonyme. Vois-tu, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça bizarre comme situation. Quelqu'un nous a contactés. On a reçu un colis. Tu l'as pas ouvert? Les gens... Je fais pas confiance aux personnes qui nous écoutent. Oh, j'avais tellement hâte de l'ouvrir. Surprise! Une contribution anonyme? Anton, tu m'as toujours promis, depuis le premier jour de ce podcast, que si tu voyais une preuve irréfutable, tu envisagerais toutes les éventualités, non? C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Non, on n'en a pas. Sachant pertinemment qu'on n'aurait jamais la moindre preuve, j'ai dit ça, oui. Ok, eh bien, on nous a envoyé des infos, et il faut qu'on décide si c'est... paranormal ou si ça ne l'est pas. D'accord, allez. Pour ceux qui nous écoutent chez eux, on est sur le point d'ouvrir un colis d'une mystérieuse personne qui écoute l'émission. Et si tu es cette personne, quoi que ce soit, bravo, t'as gagné. Oh, désolé, le scotch est vraiment, vraiment... Oh, y a trop de scotch sur ce carton. C'est Travis. Moi, tu veux bien m'aider à l'ouvrir? T'aurais pas une clé que je puisse le découper? Non, j'ai pas très envie que tu ruines mes clés. Sers-toi plutôt de tes doigts. Allez, file-moi tes clés, putain. Non. Donne-moi tes clés, merde. Non. Prends tes clés, toi. Comme si tu fermais ta porte. Bah,
Bien sûr que je ferme ma porte. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce que je cache ? Ah oui, parce que toi, tu fermes pas ta porte. Non, moi, j'ai rien à cacher. Alors, toi, tu crois aux fantômes, mais par contre, tu fermes pas ta porte. Non, les fantômes n'ouvrent pas les portes, Anton. Ils passent à travers les murs. Ok, mais c'est plus des criminels que tu devrais te méfier. Voilà. Bon, tu te souviens des marchands. Mais ils racontent n'importe quoi. Si je te montrais des photos d'un de leurs appareils. Ah. Des photos qui les montrent à Hackett's Quarry, où l'appareil en question a apparemment été retrouvé. Ah, mais oui! Je me dirais qu'ils y sont peut-être passés et que leur appareil est tombé. D'accord, admettons. Mais pour quelle raison leur appareil serait tombé, Anton ? Ils ont pu trébucher, être surpris. Ou alors, je sais pas moi, marcher sur une pierre instable. Ou bien être assassiné. On avait trouvé un appareil photo. Quand tu laisses tomber ton téléphone, tu disparais pas. Alors, où sont-ils ? J'en sais rien, c'est pas rare que des gens se perdent dans les bois. Il y en a des centaines par an, ils peuvent être n'importe où. C'est pas tout. Ah bon ? Je t'avais réservé une petite surprise. Mes sources m'ont aussi dit que leur sac à dos avait été retrouvé à l'intérieur du camp. Sérieux ? Mais ok, mais alors pourquoi ça n'a pas été rendu public ? Pourquoi les Hackett ne sont pas suspectés ? C'est bien ce qui me dérange. Ils le seraient peut-être si on savait où ils sont. Est-ce qu'ils essaieraient d'étouffer l'affaire ? Ouais, c'est là que ça coince un peu, à mon avis. Bon, il va falloir qu'on s'attarde un petit peu sur la famille Hackett. Oui, donc eux, c'est qui ? La famille qui possède le terrain, c'est ça ? C'est ça. Leurs arrière-arrière-arrière-grands-parents étaient des trappeurs qui ont pris possession du terrain à l'époque. Qui ont pris possession ? Exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont planté leur drapeau là, un peu comme l'homme sur la lune. Drapeau de la famille Hackett, ok ? Eh bien, apparemment, en s'y installant, ils ont trouvé du quartzite. Du quartzite ? J'espérais bien que tu demanderais. Fait marrant, tous les bâtiments de la ville de New York sont construits en quartzite. Ce n'est ni un fait ni marrant. Bon, la plupart le sont. Mais je digère. Digresse. C'était une blague, Anton. Ils ont creusé la carrière. Et ils ont rencontré un franc succès jusqu'à ce que Septimus Hackett, c'est un pur nom de méchant, le septième fils des trappeurs, le chiffre 7 a de grands pouvoirs surnaturels, fasse fermer la mine. Ok, donc il n'avait plus que le terrain pour vivre. Oui, enfin, plus que... Le terrain est immense quand même, avec beaucoup de forêts et beaucoup de recoins inexplorés. Oh, je vois. Parfait pour se cacher et pour dissimuler les sombres secrets de cette famille étrange et isolée. Toujours perdu. Et c'est là qu'on commence à s'enfoncer sur le territoire du paradis. Je sais pas où ils veulent nous amener en fait. Ouais, j'ai envie d'écouter jusqu'au bout. Bah oui, c'est ça. Il me saoule un peu, hein. Il parle un peu. Ça parle dans tous les sens. Ah. Quoi ? C'est pas déjà fini ? Là, ils vont démarrer, c'est juste qu'il y avait une petite pub. On se retrouve. Ah. Enquête paranormale. Anton, aujourd'hui, je vais te faire un peu de lecture. Attends, tu veux vraiment me faire lire ça ? Ok. On n'avait pas pu donc, lire en plus. C'est. Ce que tu as sous les yeux est la copie d'une lettre que Kaylee Hackett a écrite à sa grand-mère. Enfin, on suppose. Je vois. Ça ressemble plus à un truc que toi, tu lirais, mais ok. Oui, je sais, mais je me dis que si certaines des preuves sortent de ta bouche, ça aura plus d'impact. Bon, ok, voyons ça. Mamie, combien de temps ça va durer ces conneries ? Je sais que la famille, c'est sacré, mais je veux découvrir ce qu'il y a après la forêt. Loin de cette maison et ce camp de merde, et je sais que c'est pas près d'arriver à cause de qui on est. Peut-être qu'on peut expliquer aux gens ce qui se passe, leur montrer, ils verront bien qu'on ne peut pas le contrôler. Je sais que tu veux juste nous protéger, mais un jour tu ne seras plus là et pour l'instant j'ai l'impression qu'on est coincé dans cette merde. Je dors plus, mamie, et si je dors, je rêve de ce putain d'incendie. On était juste des gamins débiles. Je regrette ce qui s'est passé. Je t'aime. Ta Kaylee, bisous, bisous. Bah merde.
Oui. Elle rêve de ce putain d'incendie. Est-ce que ça ressemble pas au témoignage d'une gamine traumatisée qui a vu un truc qu'elle n'était pas censée voir ? Hey, là, je trouve ça bien flippant. Il y a clairement un truc qui la perturbe. Et c'est du vrai, ça ? Eh ben, je vois pas pourquoi on irait inventer ça. Mais bon, j'ai pas les moyens de le vérifier. Alors il va falloir que, pour une fois, tu acceptes une part de doute. Putain, la pauvre gamine. Ouais, on sent qu'il se passe un truc, que quelque chose la ronge. Ok, elle est morte. C'est ce que je voudrais explorer. Ok, alors j'accepte une part de doute, pour l'instant. Ensuite, on a cette sorte de fiole, vide. La façon dont tu dis vide sous-entend qu'il y a eu un truc bizarre dedans à un moment. Eh ben, elle n'est pas à moitié pleine, c'est certain. Ok, on a aussi une photo envoyée par ma mystérieuse marraine la fée. Mais j'aimerais d'abord savoir ce que tu en penses. Ta marraine t'envoie des fioles de... J'ai l'impression qu'il y aurait pu y avoir du sang là-dedans. Ma marraine la fée, pas ma vraie marraine. Elle, c'est une conne. Ah bon ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? C'est plutôt moi qui ai fait quelque chose. Ah, il faut toujours qu'il dévie sur un truc. Elle vient me dire qu'elle ne pue pas le rituel sataniste. Ouais, on dirait bien qu'il pourrait y avoir eu du sang dedans. Ah, peut-être le sang des... Ouais, qui mettait, là. Ce truc-là n'a rien de... Non, le sang qui se mettait sur la gueule. Bah, c'est le sang des loups-garous qui se mettait sur la gueule. Mais oui. Bon, laissons tomber la famille Yaquette un moment. Il y a autre chose. T'es prêt pour un truc vraiment flippant ? Ah oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, t'as vraiment su me terrifier. Essaie de pas paniquer. Je vais essayer. Ok, tu veux que je te tienne la main ? Non. Ok, tu veux que quelqu'un te tapote l'épaule pour te rassurer ? Bon, allez, s'il te plaît, accouche. Tu veux que j'allume les lumières ? Je veux surtout que tu me lâches la grappe et que tu craches le morceau. Merci ! Qu'est-ce que tu dis de ça, Anton ? Ah, c'est de la peau ? De la peau, des poils, tu peux appeler ça comme tu veux. Ça a l'air humain. Attends, c'est... Apparemment, ça appartient à une des créatures qui aurait causé tout ça. Et on a la vraie peau ? Est-ce que je peux la voir en chair et en os, si j'ose dire ? Non, juste la photo. La personne qui m'a contactée a eu la présence d'esprit de ne pas voler une preuve. C'est pratique de ne pas pouvoir voir la vraie, hein ? Oh, sérieusement ? Ben quoi ? Ok. Tu sais quoi ? C'est bizarre, je te l'accorde. Oh mon Dieu. Eh, j'ai juste dit que c'était bizarre, calme-toi. Oh mon Dieu, j'ai réussi. T'as rien réussi, j'ai dit que c'était bizarre. J'ai réussi, je t'ai converti, je t'ai rallié à ma cause. Tu y crois maintenant ? Ouais, complètement taré. Eh, taré. J'ai gagné. Non, t'as pas gagné. C'était écoute. Un concours et j'ai gagné. Mais non, enfin, je dis juste que ça se voit, le manque de détails dans la presse et ces trucs. Je sais pas ce que ça signifie, mais je peux comprendre que tu trouves qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. D'étrange ou de paranormal. Alors, qu'est-ce que tu en dis ? La ferme. Allez. Non. Dis-moi ce que non, je veux entendre. Non, je ne te ferai pas ce plaisir. Tu l'as presque dit, t'as juste à prononcer les mots que j'espère entendre depuis si longtemps. Bon, j'ai jamais approuvé ce titre, mais j'admets que pour la toute première fois, cette enquête pourrait être une enquête paranormale. Ah ! C'est le plus beau jour. Eh ben, c'est triste. Pourquoi ? Pas pour toi ? Non ! Alors on fait quoi ? Il faut qu'on envoie ça à la police. Ils décideront si c'est intéressant ou pas. Je voudrais en savoir encore plus. Si seulement on pouvait regarder dans une boule de cristal et voir ce qui s'est passé. Oui, mais ce serait pas marrant. On peut faire des hypothèses, mais on n'y était pas. On n'a pas vécu ce que ces gamins ont vécu. On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé à Hackett's Quarry. Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait d'Anton ? Je suis simplement Lucie. C'était magnifique. Je te remercie. Tu viens de t'embarquer dans le type de contenu que j'essaie de faire depuis le début. C'est juste la première fois qu'on a une discussion sensée dans ce podcast. sensée, ça ? Putain. Peut-être la suite de l'émission, dites-nous. Ah, ça a l'air d'être fini. Tu penses qu'il y a une vidéo à la fin ou pas ? Alors là, non, ils ont mis tout le budget dans le podcast. Un budget énorme, je suppose. Mais oui, il fallait deux micros. Deux personnes ? Ah. Bonjour. Enchanté.
En vrai, on n'a rien trouvé en preuve. Ouais, on est vraiment nuls. Hein. On a la moitié. Oh, ça va en vrai. Moi, je crois qu'on a la moitié à chaque fois. 8 sur 12, 8 sur 19, 5 sur 9. On a que des moitiés en fait. Ouais. Et il nous manque des chemins. Ah là, on y était presque. Ah, c'est juste les chemins quoi, je pense que c'est les fins. Mmh. Ok. On n'a pas été si catastrophique. Au tarot un peu. Ouais, par contre ça... 8 sur 22. Ouais. On a été à chier sur le tarot. Oh, Kathleen. Ah. C'était le manoir qui restait à débloquer du coup. Oui. Très bien. Mais comment ils ont fait pour capturer Nick après, enfin pendant qu'il était transformé? Bah c'est des trappeurs, ils savent comment faire. Ouais mais quand même. Que veux-tu, de toute façon, moi j'ai pas trouvé le jeu incroyable. Ouais. Mais quel intérêt de revenir pour pas tuer des gens. Ah, j'ai pas trouvé incroyable le jeu. Tu t'attendais à plus que ça? Ouais, c'était... Bah, je me disais, un camp d'été, ils vont essayer de changer les habitudes qu'on a sur les trucs de camp d'été, mais... Et non. C'était pile tout ce qu'on connaissait. C'était un peu cliché, puis je sais pas, par rapport à ce qu'on avait fait, House of Ashes, c'était dynamique et tout, et là je trouve que ça nous sortait trop du truc. Tout le temps. Pour le coup, les mini-interventions inutiles. Ouais, tout le temps, les réactions un peu bizarres... Des fois, ils te mettaient sur ton personnage, tu faisais rien avec, juste t'étais sur le personnage. Tu vois un mec pleurer, c'est tout. Ouais, alors que dans House of Ashes, y a des fois, t'étais en pleine action. Tu sais, il te faisait un mouvement de caméra et tu passais sur un autre personnage et tout ça. C'est vrai que c'était super... Lui, il était vraiment bien. Les dynamiques et tout, et même, je sais pas... Le truc de la respiration, je me suis croûté, mais ça, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des barres rouges pour dire quand fallait arrêter de respirer, quand fallait reprendre... Moi je faisais par rapport à la petite lumière rouge. Ah bah j'avais pas capté, mais du coup je trouve ça un peu nul parce que ça enlève la difficulté. Non mais ouais c'était un peu dommage, en fait ils auraient pu aller plus au bout. Ouais puis à la fin, alors nous on a bugué un peu mais il y a eu des bugs aussi. Hein. Ouais, les cheveux de la fille, je les ai vus. Hein, ils étaient ici. Non puis... Bon le seul truc un peu bien c'est le scénario, ils ont essayé de nous faire douter sur l'histoire et tout mais... Ouais. Bon, c'était un peu facile quand même. Un peu dommage, quoi. Ça a mis tellement de temps à se mettre en place. C'est vrai qu'on... Ça a dû mettre... Il y avait combien de chapitres en tout, là? 10. Bah, en vrai, ça a bien dû mettre au moins la moitié, non? Ouais, peut-être plus. Ouais, hein. Non, je sais pas, j'ai pas eu le comment dire... Le thème du jeu, c'était la traque, et je n'ai pas senti la traque. En fait, on sait pas trop. Moi, je me suis pas trop senti submergé par la traque des. Ah, c'est ça. Des chasseurs, perso. Ni chasseurs, ni monstres, en fait. Il y avait pas de traque. C'était juste là, vous êtes là. Là, il y a le monstre. Vous fuyez ou vous tuez. Basta, c'est terminé. Il y avait pas de. Là, il te poursuit jusqu'au bout. Quoi que tu fasses, il est là, tu vois, non? Et puis il y avait quand même vachement le truc du simplicité de scénario, quoi. Ouais, ouais, et puis surtout au moment où je dois faire un choix, continuer à regarder le tableau ou vous préparer à l'attaque? C'est quoi ça? Genre. Moi, c'est dommage. En mode, si vous continuez à regarder le tableau, il va vous sauter dessus. C'était hyper logique là, du coup. Genre, c'est bizarre comme demande. Ouais. J'ai l'impression que la fin, elle est un peu bâclée. Pas. C'est dommage que ça laisse ce sentiment là du coup. Ouais, mais je l'ai pas trop aimé, mais bon, fallait le finir quand même. Ouais, bah ouais. Mais j'ai pas accroché. Non, j'ai pas accroché, c'était... Je suis désolé, les monstres qu'ils ont fait, les loups-garous, ça, c'est trop dans le même style que les Wendigo, ils ont pas réinventé, tu vois. C'est vrai que pour le coup, ouais.
Pareil, ils ont pas réinventé le loup-garou en soi, il est toujours c'est le loup-garou quoi, c'est un loup-garou sans poils. C'est ça. Non, mais il y a pas eu tant d'action que ça, c'est dommage pour un survival. C'est vrai que et c'est un des jeux où on a eu le moins de morts en vrai, j'ai l'impression. Bah oui, même si on dirait qu'il y en a eu beaucoup, mais de notre côté, il y en a pas eu tant que ça. Hein. Et Nick, on n'a pas pu le contrôler. Ouais. Juste, on l'a perdu. Pareil, Max, désolé, mais c'est pas très juste, tu vois. Encore là, c'était évident. En final, c'était évident. C'était genre, tu traverses la rive ou tu restes ici. Tu vois, genre en mode, là, t'as... C'était soit l'un, soit l'autre. Il y avait pas de, c'est un choix qui t'amène quelque part. Non, c'est. Alors qu'en plus, on a commencé à le revoir. On commence à remarcher avec lui. Il fait des recherches. Et là, juste pour une histoire de, je traverse l'eau, je meurs. Bizarre. Nono, si tu parles, je crois qu'on t'entend plus. Pépé ? Oui, je crois que là on peut t'entendre. Il a un petit peu bugué. Le bug. Le bug. Non, bah, mais ouais. Cette séance sera notée par le bug. Tout à fait, je sais pas ce qu'il y a eu. Hein. Trop bizarre. Ouais, non, pourtant, Mako, ça a l'air d'aller. Non, mais même le jeu en lui-même, comme tu disais. Après, perso, la première session qu'on a fait, c'est moi qui buguais beaucoup. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait les graphismes et tout, que j'avais pas baissé et tout ça. C'est vrai. Non, mais oui, bon, c'était... Si je devais noter le jeu sur 10, j'aurais mis... J'aurais mis 4. Ah ouais? Ouais. Ah, quand même, hein. Il m'a pas quand même en dessous de la moyenne. Ah, il m'a pas porté du tout. C'est dommage parce que c'est des jeux à budget, les trucs comme ça. Ah genre, oui. Moi, je me dis, un jeu comme ça, c'est forcément un truc de ouf, quoi. Ouais, mais je trouve que les... Merde, comment ça s'appelait? Bah, c'est House of Ashes, ça faisait partie d'une trilogie. Cette trilogie-là était vraiment bien. Ouais. Je sais pas c'est quoi le prochain. Je sais pas. Mais en vrai, je crois que c'est pas la même société qu'ils ont fait. Parce que c'est ceux qui avaient fait Until Dawn qu'on fait là. Ok. Et je crois que la trilogie là, c'était autre chose encore. Pas sûr de ce que j'avance, mais ce serait bizarre qu'ils aient fait ça alors qu'ils ont fait des trucs plutôt corrects avant. Quoi. Alors, ce serait sympa aussi de surveiller. Ceux qui ont fait Into Mind. Oui, c'est vrai. C'était leur premier jeu. Mm. Peut-être qu'ils en feront d'autres. Ah, Into Mind, incroyable. Et pourtant, ouais, voilà. Lui, il était vraiment bien, tu vois. Ouais. Comme quoi, il suffit pas d'avoir un putain de budget et des acteurs. C'est ça. Ouais, et puis en plus, c'était un jeu en première personne et toi, ça l'a fait. Bah ouais. Ouais, ouais, carrément. Le scénario, ça joue beaucoup, là. Enfin, je pense maintenant, dans les jeux, les graphismes, en vrai, en soi, ils sont tous bien et on s'en fout un peu. C'est vraiment gameplay ou histoire, quoi, mais... Là, t'as beau avoir des beaux graphismes, ok, c'est cool. Là encore, on avait les graphismes en low, et encore, ouais. Ils étaient sympas. C'était juste la lumière qui était bizarre. Lumière et brouillard, c'était un peu chelou. Mais même si j'avais mis au max au niveau graphisme, ça change rien, hein. Non, je suis pas sûr que ça aurait apporté quelque chose de... En vrai, il y a un truc qui est bizarre. Quand t'es dans un film ou un dessin animé ou un jeu, et que t'es vraiment dedans parce que le jeu, l'histoire est bien ou le gameplay, mais quand t'es tellement dedans que pour toi, ce que tu vois, les graphismes, c'est pas que c'est la réalité, mais ça t'empêche pas, tu vois, ça te bloque en rien. Je sais pas ce que je veux dire. Quand on jouait Into Mind, on était dedans, genre, c'est ce qu'on voyait, c'est ce que c'était, tu vois. Que là, dans The Quarry, bah, j'étais pas dedans et je voyais que les graphismes, en fait. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que j'étais plus dedans pour Into Mind, mais après, c'est vraiment... Bah, eux, ils avaient vraiment une bonne histoire, quoi. Oui. C'est vraiment l'histoire qui te met dedans, hein, plus qu'autre chose. Il faut que je continue de le monter, d'ailleurs. Mais ouais. Ah, t'as repris le montage ? Un petit peu. Ça me manquait un peu, du coup, je fais un peu de dessin, un peu de montage. Tu te mets juste plus la pression. Oui, c'est ça.
Puis bah malheureusement je mettrai plus, sauf Into the Mind, parce que je pense que lui, j'aimerais bien le finir, parce que Max m'a fait un générique et tout, et c'est vrai. J'ai vraiment bien aimé le jeu, on s'est vraiment amusé, je veux vraiment qu'il y ait une trace de ce jeu, juste qu'il est long à monter, donc je ferai vraiment ça sur des moments où j'ai envie, tu vois, mais il est long à monter, mais lui je veux vraiment le finir parce que bah il était vraiment bien, mais c'est le dernier que je ferai avec des petits bonhommes, parce que bon sinon ça met trop de temps. J'ai vraiment trop de temps. Bah, j'ai hâte de voir comment tu vas faire ton montage. Bah, comme les dernières que j'ai faites. Ok. Il y a un mois et demi déjà, mais. Comme celle-là à peu près. D'ailleurs, on a fait à peu près une heure par chapitre. Hein. Ouais, quand même. Ça est... Je sais pas combien d'heures on a pu passer. Bah, peut-être 10 heures du coup. Oh, peut-être un peu plus. On a fait 2 heures, 4 heures. Ah ouais, peut-être 10 heures, ouais. Mais tu vois, j'ai préféré les chapitres qu'on a fait l'autre jour. Oui. Genre, on était plus, j'étais plus dans l'action, je trouve. Bah, les lags n'ont pas aidé non plus, là. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Ça n'a pas aidé à se mettre dedans. Ouais, non, c'est... Ouais, ouais, c'est pas ouf. Mais bon, c'est la vie. Bah, moi, j'ai plus qu'à trouver d'autres jeux. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur Steam, faudrait que je passe, enfin que j'aille voir un peu. J'en ai peut-être un. Au début, je disais peut-être avec Bastien, mais Bastien, en vrai, il est pas trop chaud pour ce genre de jeu. Ça perd d'être. Ok. Attends, liste de souhaits. J'en ai un. Je crois que. Non, j'étais chargé en plus, je crois que je l'ai. Mais oui, pourquoi je vais là-dedans Comment ça s'appelle? Je vais te redire ça. Bibliothèque. Bibliothèque. Ça dans jeu solo, c'est Road 96. Road 96. Ok, attends, j'allume Steam pour voir. C'est un petit, ouais. C'est un jeu à choix aussi. Magasin. World. World. 96. Ok. Trace ta route en stop dans ce road trip procédural délirant créé par le studio. Ah, c'est français. Personne ne prendra la même route. Voilà, donc c'est ce même principe. Non. Ok. Ah, c'est récent comme jeu. Ouais. Moi, j'avais vu il y a un moment, mais quand on était sur d'autres trucs. Donc voilà, il y a celui-là. Bah ouais, pourquoi pas. Prochaine fois, et sinon... Ouais, parce que ça n'avait pas marché avec Romain, donc je sais pas si avec Persa que ça marchera. C'est Song of Horror. C'est un jeu solo? Ouais. Ok. Hey, ça avait pas marché avec Parsec? Avec Romain, mais je sais que lui et Parsec, c'est toujours une sacrée histoire. Ah ouais? Ouais, ça ne marche jamais quand on veut se connecter l'un à l'autre. Ça a l'air sympa aussi. Bah lui, il est tendu, tu vois. C'est genre... C'est en gros, t'es dans le manoir, comme ils disent, et je crois qu'il y a le mode... Ouais, ça. Et tu joues quelqu'un, il faut essayer de résoudre l'histoire, en fait. Et quand tu meurs dans ce jeu, tu joues après un autre perso. Ok. Qui, lui, il va pour, tu sais, à chaque fois, essayer de résoudre et tout. Et comme ils disent, tu peux rien combattre, tu peux que fuir. Il y a du QTE, il y a du choix. Pareil. Si, ça a l'air sympa, ça aussi, ouais. Voilà, donc les deux jeux, je te propose. Tu te propales, quoi. Ah là, quoi. Et je les ai tous les deux, donc. Jeu similaire, Little Nightmare. Et oui. Là, je les ai déjà fait. Mais attends, il y a aussi Escape
Ouais, Der Kranke College. Ouais, voilà. Il faut qu'on le fasse un jour. Oui, il faut qu'on le fasse un jour. Ouais, avec Bastien. Der Kranke College. Et un jour, faudrait qu'on fasse des backrooms aussi. C'est quoi? Backroom. Les backrooms. Les backrooms. Tu regardes Feldup? Pas souvent. Il y en a parlé, si tu veux, que Feldup Backroom est... C'est un univers tout entier et maintenant il y a des jeux qui sortent dessus et tout. Ok. Je vais pas t'expliquer ça va... c'est... ce que c'est une backroom. Mais si tu regardes même juste l'intro de Feldup, il y a pas besoin de tout regarder parce qu'il donne des détails, tu vois. Mais voilà. Parce que ça... en vrai, c'est un vrai engouement. Hein. Écoute, pourquoi pas, c'est des backrooms. C'est un univers, c'est parti de rien du tout. C'est parti d'un gars et c'est devenu international, quoi. C'est genre, il y a une communauté et tout. Vraiment, c'est énorme. Allez, sur Internet. Ce YouTuber qui est tombé dans les backrooms. Ok, ça je regarde. Attends, une heure. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, tu peux juste regarder l'intro. Eh oui. Du coup, bah, il y a plein de jeux qui sortent dessus depuis un certain temps et... Voilà, c'est des jeux d'horreur. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est pas un univers très drôle, mais voilà. Ok, ça a l'air super. Très gay, quoi. On peut jouer à Transformice aussi, sinon. Non. Non. Non, non. Non. Ah, mais il y a le dernier DLC de Donald Buck qui est sorti. Ah. Ah, faut que je... Vienne Bastien. Ah, faut que je prenne Bastien, c'est le dernier. De la série. Ah, c'est le dernier en plus. Ouais, c'est le dernier. Et je crois que c'est terminé. Et bah voilà, qu'est-ce que t'attends? Avec un nouveau perso en plus. Et des nouvelles compétences. Des nouvelles compétences. Eh oui, et bah faut que je dise à Bastien. Je pensais qu'il sortait plus tard, je viens de voir qu'il est sorti il y a déjà une semaine et demie. Ah, comment t'es pas à la page? Je suis pas à la page. Hein. Non mais wake up. Wacky wake up, quoi. Oh là là. Hop, bon, j'ai tout fermé. Ouais, de toute façon, tu m'as viré de Parsec. Oui, je vais aller prendre un goûter. Le goûter. Non, il faut que je finisse de monter la vidéo là. Il me reste les musiques à mettre et la vignette. Tu sors ça quand? Bah là, je vais finir, donc ça sort ce soir. Bah, c'est nickel. C'est sur Fall Guy avec Benjamin. Ouais, excellent. Quand on y a joué, bon, y a déjà un moment du coup, mais... Ouais, c'était il y a plus d'un mois, ça. Oh là. C'était en Fall juin. Guys. C'était en juin. Ouais, ah oui, ok. J'ai pas dit tout la notion du temps, allez. Allez, ciao. Avant d'aller chez mon papa. Je vais t'adire. Manger de la choucroute. Ah ouais, t'es un mec comme ça, toi. Bah, c'est plutôt bon. Je sais pas. Tu manges pas de choucroute, tu dois. Bah non, il y a du porc dedans. Bah la saucisse, c'est pas du porc. Bah c'est quoi? C'est du cochon. Oui, bon, j'avoue, c'est un plat très breton. Bah c'est pas breton, mais très nord de France, tu vois. Le cochon, quoi. Le bon cochon. Le bon cochon du nord de la France. Le cochon de nos régions. Ah oui. Non, ça me tente pas. Et de toute façon, ça a pas l'air bon. En vrai, c'est spécial. J'ai déjà senti et je trouve que ça pue. Donc ça me suffit. Je peux comprendre que les gens aiment pas. C'est spécial là, je crois. Mais après, ça a l'air d'être un plat réconfortant. Ah, ah oui, en hiver, c'est chaud. Il y a de quoi manger. Et en même temps, c'est du chou, donc c'est pas si déséquilibré que ça si tu prends raisonnablement. Et en plus, il n'y a même pas besoin de sauce. Le chou, il est vinaigré, et du coup, la sauce, c'est déjà fait, quoi. Il y a des morceaux de poivre dedans. C'est tout parfait, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est le plat idéal? Non. Ah. Mais c'est pas un plat si déséquilibré qu'on pourrait le croire. En vrai, si tu le manges raisonnablement et que tu te prends pas... Mais après, c'est le genre de plat, c'est un peu...
C'est le genre de plat en hiver, quoi. T'en mets des doses et des doses. Et... Tu te laisses vite emporter, quoi. Tu te goinfres, quoi. Parce que bon, le porc, j'aime bien, mais c'est gras, quoi, le porc. Ouais, je pensais que c'était pas du porc, mais du cochon. Et la choucroute. Un petit peu de moutarde et c'est bon, quoi. Ah, moutarde de Dijon, quoi. Bah oui. À l'ancienne, moutarde douce. Oh, une moutarde normale. Sans grain. Ouais. Eh ben, moi j'appelle pas ça une moutarde normale. Une moutarde. C'est une moutarde, c'est une moutarde de faible. De faible. Elle est sans grain, quoi. Toute lisse. Ouais. Bah. Il n'y a pas trop d'arguments, mais c'est pas grave. Tu défendras la moutarde un autre jour. Ouais, pas de soucis. Oh, d'ailleurs, moi, j'avais une idée de... Peut-être un jour, on pourrait faire de live. Tu sais, je me disais, il n'y a plus Open Ask et tout. Avant qu'on se quitte, du coup, je te laisse là-dessus. Arrête de rouler le plot dans la plaie, déjà. Il faut que je cherche mon côté s'il n'y a pas moyen de créer des sites pour créer des questionnaires. Si c'est le cas, je te proposerais qu'on crée des questionnaires et qu'on fasse participer l'autre au questionnaire, tu vois. Excellent. Genre ce genre de truc. Ou alors, j'y pensais, mais genre, on se prend, je sais pas, on se dit, on a 2 heures, on se donne un thème chacun et on doit créer un exposé de A à Z et le présenter à la fin. Tu vois, un petit jeu comme ça, parce que j'ai pensé à ton truc de Naruto et tout, j'y ai plus Open Ask. Écoute, pourquoi pas. Même pas 2 heures, on peut se dire, j'en sais, comme à l'école, t'as 1 heure pour faire ton exposé et tu le présentes à la fin du cours, tu vois. Vas-y, en vrai, ça peut être drôle. Tu vois, c'est genre de... par exemple, là, je peux dire, bah, ton thème, c'est la moutarde, tu vois. Non, parce qu'en plus, il y a des petites roulettes en ligne. Et genre, on peut mettre plusieurs thèmes bah oui, et c'est on ça. Fait thème au hasard. Je suis sûr, on peut faire... Comme ça peut être fun, tu vois, genre un petit truc tranquille. Chill and fun, quoi. Chill and fun, en même temps, tu sais, c'est comme à l'école, tu vois. Mais en mode plus vraiment exposé de collège, quoi. Très simple, parce que tu pars exposé de lycée, au lycée, on part sur autre chose, tu vois. Mais en vrai, ça peut être rigolo. Non, je trouve ça... Et même si on peut demander à d'autres gens s'ils veulent participer, tu vois, pour essayer de se mettre à plusieurs. Donc voilà, mais cette petite idée, je me dis, ah, pourquoi pas. Je vous présente mon exposé. Sur l'algue marine. Alors... Oh, horrible. Genre, t'as limite, tu dois genre au moins avoir un exposé de minimum 5 minutes, tu vois. Faut quand même des restrictions pour que ça soit... Vas-y, ça me va. Voilà, bah je proposerai à d'autres, alors. Vas-y, bah propose à Bastien, comme tu vas lui envoyer un message. Oui. Ah bon, de quoi? Non mais voilà, bon du coup on a un petit programme. Les petites idées quoi. Road 96, les exposés, Song of Horror, et si on trouve d'autres trucs. Tac tac tac, bah ouais. On verra au fur et à mesure. Ouais. Bon, allez. Ça c'est une bonne idée, ça peut être rigolo. Oui. Je sais pas si c'est possible de créer des quiz, par contre. C'est ça que j'ai pas encore cherché, mais il faut que je cherche. Je pense que ça doit être possible, d'où les gens les créent, sinon. Ah si, c'est peut-être possible. Ouais, si. Genre, il y a un site de quiz et tout. Sur les animes et tout. Et tu peux créer ton propre quiz. Donc peut-être qu'on pourrait passer par là. Ah, mais c'est sur les animes. Ouais, mais après, on fait le quiz qu'on veut. Ah oui. Je sais pas. Je marque créer quiz. Créer quiz gratuitement en ligne. Ah, ça va être des quiz pro. Non. Online. Bon, on est des pros. Ah non, ça paye, attends. Évidemment, le chat, faut que tu t'étires là où il y a mes disques durs pour bien les pousser. Bah oui, je t'avais pas tout le bureau. Aujourd'hui, il a pas assez de place. Il était très con. Genre. Il t'a même pas embêté pendant qu'on jouait. Non, parce que j'étais fâché. Ah. Ah, il a joué au con ce matin. Sale chat, va. Make a beautiful quiz in a minute. Pas grave s'il y a des trucs payants. Ah, c'est ça, ça aussi.
Ah ouais, tiens, en fait, il faut payer pour faire des quiz. Sérieux? Bah, au pire, je regarderai aussi de mon côté si tu veux. Ouais, free trial, toujours des essais gratuits, c'est gratuit. Ah oui, sinon, c'est des quiz en mode, tu sais, c'est des quiz où il y a une réponse bonne, ça, c'est des quiz normaux. Mais pas les quiz où ça arrive à la fin sur une conclusion. C'est ça que je veux retrouver. C'est ça qu'on veut, nous. C'est ça. Hein. Bon, bah. Oh. Test de personnalité, quiz biz. Ah, c'était plus un test de personnalité qui. Ah, le quiz. Alors, le site est vraiment merdique. Mais c'est peut-être gratuit, hein. Maintenant que c'est gratuit, tu sais. Et... Ah ouais, ok. Bon, on verra. On verra bien. Moi, je vais aller manger, je prends un goûter, j'ai la dalle. Ouais, pas de soucis. Je pense que je vais faire de même. Donc, bon goûter, quoi. Ouais, on se trouve à une prochaine... Bah, demain. Non, je vais pas venir. T'as pas envie. J'ai pas de sous. Après, on peut toujours te payer le resto. Ouais, enfin... Ça m'embête. Pas grave, je mettrai ça sur ton compte. Sur mon ardoise. Ah, ouais. Non, mais une prochaine fois, c'est pas grave. Normalement, j'aurai des sous en novembre. Ça marche. Ou en décembre, ah sais. Oui, avec ton entreprise. Avec la route du Rhum. Ah mais oui, c'est vrai. Travailler 2 semaines. Ah non, moi, je parlais de ton entreprise. Ah ouais, mais c'est encore un projet privé. c'est encore en train de se faire. Entreprise urbaine. Une entreprise urbaine. Dans la rue, quoi. Ouais, dans la rue. Ouais, pour faire des contacts, quoi. Enfin, ouais. Ouais, faut bien se faire un nom. Bah oui. Non, mais ok, on verra alors. Ouais, pas de soucis. Et puis on se redit pour des soirs télé pour jouer. Juste ouais, pour bah carrément. Faire des trucs tout seul en privé. Ouais, cool, de ouf. Et quand t'es en forme pour faire des petits jeux pour. Il faudrait qu'on se refasse un Garry's Mod en fait. Je repensais à ça. Ouais, faudrait que juste on prépare bien, qu'on désinstalle tout ce qu'il faut. C'est qu'on remette à zéro quoi, qu'on remette à nu. Ouais, oui. On télécharge des bons mods, pas des mobs ou. Des mobs. Des mods où quand tu t'arrives, t'as la map, elle est encadrillée violet-noir là. Ah, horrible. C'est horrible. Mais ouais, faudrait essayer. Comme chez les gars de YouTube ou de Twitch qui ont toujours des trucs qui fonctionnent. Ouais. Après, ils ont plus de sous. Ils ont des gens payés pour trouver ce genre de trucs. Alors que nous, on a nous. On a nous. Mais bon. Et oui, Garry's Mod, ce serait sympa aussi. Ouais, ça fait longtemps. Bah là, ça fait vraiment longtemps, Garry's Mod. Oh oui. Genre 10 ans, quoi. J'exagère peut-être un peu. Peut-être. Bon allez, j'ai faim en fait. Ouais, moi aussi. À parler de goûter. Oui, bah j'ai faim. Ouais, bah ouais. Ouais. Ouais, bah nourris-toi bien. Ouais, ok. Ok. Allez, bon app. Ouais, bon app, ouais. 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 Ok. Ok, toi-même. Allez, tu coupes. Non, toi, accroche. Non, allez, toi. Mais non, toi, en premier. Mais arrête, tu veux me gnonner? Oh. Allez, j'y vais, salut. Allez. Ah, j'ai fait quitter.